Salut les gens, alors on s'installe, ça va pas tarder à commencer. Bon Chrome euh, c'est pas à proprement parler le sujet de ce soir mais comme euh, à chaque fois au cours de ces lives voyez, il est question de pas mal euh, d'auteurs et d'autrices de bande dessinée. Dès qu'il en a fait mention, bah je vous montre des images. On en profite pour faire une petite pause et regarder des belles choses. pas sûr de le comprendre tellement euh, il est capillotracté, celui-là mis métos les bread crumbs déjà tu vois je comprends pas le rapport entre le pain et crumbs qui ont attiré les chouettes dans le look trop compliqué pour moi là le euh, calembour jonglant entre les langues faut pas trop m'en demander de pain utilisé pour attirer les oiseaux d'accord et b oui je l'aurais jamais chopé celui-là hein. <laughs> essayer d'en trouver un petit peu plus simple pour ton entrée en matière oh, en... alors des lectures théoriques ou cool, deuxième truc hein. les auteurs abordés la dernière fois c'était quoi alors, William Busham, Todd Brown, Christophe Pinchon, Topfer, Fortown, euh, uh, Forton. Forton. Ah, et pour Bill Bull, on a vu ça. Ralph Oxon, Outcult, Rudy Dirks, euh, probablement. Euh, Salut Lucie, comment vas-tu euh, Ah oui, on a vu du Feininger aussi, c'est très très joli ça, Kinder Kids. Et on a vu un peu de Magmanus, on a vu beaucoup de choses. Hopper aussi, on a vu la pioligane de Hopper. Bon, bon, bon. C'était copieux. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre D'accord, d'accord, tout ça. Bon. si de retrouver. Euh et ce truc, ah bah oui, bah, c'est fini euh, le machin, que je suis con moi, euh, ça y est, allez, bonsoir à tous et à toutes, eh bien, on va continuer le travail ensemble autour euh, des spectres de la bande, j'espère que vous allez bien, ça va mouif, hein euh, bah, je dirais une sorte de mouif général aussi, mais je pense que le politique Stimung donne peu envie de frétiller de joie, hein c'est pas facile de trouver des, des moteurs, euh, à un brin de fantaisie, euh, compliqué. Euh, J'ai tenté le jardinage, mais ça marche moyen. Regardez pousser des trucs, des fois ça aide, mais clairement ça n'a pas vraiment suffi. Je sais pas pour vous, les gens, quelles tentatives de diversion sont les vôtres pour essayer de vous persuader que demain va être suivi par après-demain, mais c'est pas simple en tout cas. Nous tentons du mieux que nous pouvons de ne pas laisser notre monde envahir par l'amorosité. Alors, tu rejoins le mouif généralisé. Bon, nous allons mouiffer un petit peu ensemble ce soir. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ce qu'on a vu la dernière fois, mais finalement, pas mal de trucs. Euh, on a vu euh, des trucs de cam ou cham. <laughs> Qu'on dit de Charles Amédée euh, de Noé, euh, des trucs euh, de Christophe, hein, des trucs de Topfer, on a parlé un peu de Topfer, on a parlé des pieds nickelés euh, de Forton, oh, oh et des variations de Pélos hein, et des autres. On a parlé euh, aussi du, comment, de la presse, de cette époque, de la presse américaine qui a vu naître euh, les, les premières vagues de l'âge d'or des, des comics. Euh, avec euh, les presse de Wilhelm Randolph Hearst, un magnat euh, célèbre de la presse euh, qui avait la main mise sur un nombre considérable de publications au tout début du XXe siècle. Mmh. Et puis on s'était un petit peu promené dans les BD de Ralph Oxon, de, de Colt. On avait vu ensemble les Pim Pam Poum, les Katia kids de Rudolf Dirks. On a vu beaucoup d'images, si je me souviens bien, un peu de Bud Fisher, un petit peu de, de Frédéric Hopper et de, de Feininger. On a vu du Mac Manus aussi, un des, un des pionniers de cette ligne étriquée, maigre et pourtant vive qu'on appellera plus tardivement Elin Claire, en parlant plus précisément des versions belges comme celle d'Hergé ou de Alain saint augan Bref, on a vu tout ça un peu ensemble, et aujourd'hui on va poursuivre la lecture de ce livre, Les Spectres de la Bande d'Alain Ray. Voilà. Alors, euh, Alain Ray, je vous avais brièvement dit de, de qui il s'agissait, peut-être que vous vous en souvenez, mais on va la faire très courte, vous le connaissez essentiellement pour son travail impressionnant sur un dictionnaire probablement le plus chouette et d'ico français, le petit Robert. Donc c'est le rédacteur en chef des du Robert. Oh. Excusez-moi. Allez donc. Enfin, de toute la, la série des Le Robert, parce qu'il n'y a pas que celui qu'on connaît. Il y en a un étymologique, il y a le, le grand dictionnaire historique, il y a le dictionnaire culturel. Il y a pas mal de choses produites par ces éditions des dictionnaires Le Robert. C'est lui qui va donc euh, le, se lancer dans, dans cette euh, aventure éditoriale assez fascinante. À c'est un linguiste et un écrivain. Et euh, il a assez vite rejoint l'équipe qui avait fondé ce truc-là, donc euh, au début des années 60, qui donne leur nom, parce que c'est Paul Robert qui l'avait créé, euh, qui leur nom aux éditions. Et ensuite, bah, c'est lui qui va les incarner, ces éditions euh, du petit Robert. À partir de, je crois que c'est deux trois ans après la création hein, par euh, Paul Robert, jusqu'à jusqu'à sa mort. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a apporté beaucoup de sang neuf dans la lexicographie, dans la façon d'aborder euh, l'histoire des mots et la compréhension de ce que peut être et de ce que doit être un dictionnaire avec un, une certaine modernité. C'est vraiment un chouette bonhomme. Voilà, et parmi les chouetteries de ce bonhomme chouette, il y a eu la publication de ce livre aux éditions de minuit, Les Spectres de la Bande, dans la collection critique. Un livre assez étonnant qui est sorti en 1978. On a déjà lu ensemble deux chapitres. Le précédent nous avait pris pas mal de temps parce qu'il euh, y avait toute une partie historique qui était assez copieuse et l'iconographie prévue pour vous, vous ouvrir à tout ça était non négligeable. Ce soir, ça va être un peu plus souple. En termes d'iconographie, il n'y a, a pas autant de choses. Et on va essayer de parler un petit peu de théorie, hein, du mieux que je peux, du mieux que je trouve euh, mon élan pour vous parler de tout ça. Si vous avez euh, des questions avant de commencer, bah, peut-être que c'est le moment. On peut profiter de cette euh, installation tranquille euh, pour causer un peu euh, plus, plus généralement de théorie de BD ou de à l'arrêt ou de ce que vous voulez. Et ouais, voilà, il serait peut-être bon que j'arrête de bailler parce que c'est le troisième baillement. On vient de commencer. Ça va pas du tout, ça. Hmm. Si je commence. Hein. Ah À va en étant déjà fatigué, on est mal barré. Hein, ça va donner. D'autant que si je m'en souviens bien, le caractère théorique de ce troisième chapitre est un tout petit peu plus pointu que les précédents. Donc il devrait exiger de ma part un peu d'éveil. Il faudrait en gros que je sois au taquet. Sinon, ça ne va pas servir à grand-chose, cette lecture. Alors, est-ce que vous avez des questions, dites-moi, relatives évidemment aux bandes dessinées et à leur cadre théorique parce qu'on va essayer de se tenir au sujet un peu ce soir, si c'est possible, ce serait vraiment pas mal. Vous n'avez pas de questions Bon. Alors écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va peut-être pouvoir euh, se lancer. Je me vois mal commencer euh, tout seul à digresser euh, sans avoir un, comment, un, un Gaël sous la main. Et vous n'êtes pas prêt, visiblement, vous-même à digresser. Ben, du coup, on va, on va pouvoir commencer tranquillement. Allez, on y va. Le titre de ce chapitre, c'est ⁇ Iconographie au pluriel ⁇ et délire symbolique. Les lois de l'image altèrent la pureté du geste pour maîtriser le regard d'autrui et le noyer en illusion. Donc il va être question non seulement des effets qu'une image fait à ceux et celles à qui on les destine, mais des moyens par lesquels, que ce soit par les moyens légaux, d'une légalité appartenant au domaine de l'image elle-même, tels qu'ils sont présentés dans cette première phrase, ou par les moyens expressifs dont disposent les auteurs et les autrices de bande dessinée, il va être question d'avoir sur ces effets un petit empire, savoir en gros jusqu'à quel point... on est à maître à bord de ce qu'on produit chez les autres par le biais des images. Ainsi s'organise une technique où s'absorbent et souvent se perdent les pulsions créatrices, le poétique, pour établir les fonctions rhétoriques qui assurent l'efficacité sociale. Cette phrase est déjà assez riche en propositions, puisqu'elle place d'emblée la question de la production des images, notamment des images de bandes dessinées, dans une destination sociale dont on comprend tout de suite à la fin. À sémantique, le, le, la volonté de dire quelque chose de précis plutôt que rien. Et on note que euh, Alain Ray établit une espèce de grille de balance, on va dire, où semble-t-il, dès l'instant où quelque chose pèse sur un des deux plateaux, euh, alors euh, l'autre s'envole. Et cette opposition, elle est faite entre le domaine à proprement parler rhétorique, établir les fonctions rhétoriques sur l'efficacité sociale, donc établir les fonctions par lesquelles euh, un certain type de mécanisme, il parle de loi de l'image, mais évidemment, si on parle de bande dessinée, ce ne sont pas que les lois de l'image, on pourrait dire un dispositif d'une légalité implicite aux bandes dessinées, les lois propres à cette discipline et à sa façon d'agencer euh, dans un espace éditorial on pourrait dire, certaines quantités d'images. Certaines quantités d'images dont on suppose qu'elles sont plus ou moins intriquées à vouloir dire narratif, à quelque chose qu'on va appeler une narration, qui sera au minimum quelque chose comme un, une énonciation, mais une énonciation plastique, visuelle. Et d'autres lois, d'autres lois que celles-ci, les lois, à proprement parlées, rhétoriques dont tu le parles, qui doivent assurer, dit-il, l'efficacité sociale. Ce qui laisse supposer, puisqu'il les oppose, qu'il y aurait entre le domaine des pulsions créatrices et du poétique, enfin, les pulsions créatrices ici appelées le poétique, entre ce domaine-là et le domaine de la rhétorique, le domaine de l'efficacité du discours, une sorte de contradiction. Je crois que c'est un lieu commun, courant d'imaginer... Que tout ce que l'on gagne sur le terrain de l'expressif, du créatif, on va le perdre au niveau de la fluidité des énoncés. Je ne sais pas si c'est juste, parce que tout, toute cette question repose en fait sur un certain mythe de l'efficacité lui-même, à savoir qu'est-ce qui est jugé efficace dans un discours Est-ce que c'est simplement par exemple l'idée d'une quantité, d'une portion de sens qui est destiné à passer à travers le discours Est-ce que c'est juste de voir les choses comme ça Est-ce que c'est juste de penser à un énoncé entre forme et euh, qui serait entièrement voué à, à la perte, à la déperdition d'un espace poétique et fond qui serait supposé au service d'un énoncé précis, d'un vouloir dire Est-ce que c'est vraiment ça qui doit passer dans le rhétorique et le discours Quel est le non pas simplement le régime de cette efficacité, mais au fond, quel est l'objet de cette efficacité. C'est une question qui mérite vraiment d'être posée en ces termes parce que il me semble que ça dépend énormément des types de discours qu'on veut poser. Il y a des tas de cas de figure dans lesquels cette efficacité, c'est-à-dire. Déjà, la redéfinition de cette efficacité. Qu'est-ce qu'elle serait Quand Lucie demande efficace pourquoi Il y a aussi l'autre question, c'est efficace comment Pourquoi C'est-à-dire, quel est l'objet que l'on veut faire passer efficacement, mais aussi efficace comment Quels sont les moyens par lesquels on prétend pouvoir se rendre efficace à quelque chose Il faut pouvoir définir ce cas-là. Il y a de nombreuses formes de discours dans lesquelles l'intensité, c'est ça, qui doit passer. Quand vous êtes en colère, en fait, ce que vous dites n'a aucune espèce d'importance. Pour que le discours passe efficacement, c'est l'intensité de votre colère qui passe. Vous pourriez bien, en colère, hurler une souris verte. Ça ne changerait pas grand-chose. C'est votre façon d'appuyer votre discours, de donner des inflexions, de faire vibrer euh, l'intensité de votre colère qui doit passer. C'est ça, le vrai objet du discours dans la colère. Etc. etc. En fait, un nombre considérable... Des énoncés portent des affects. Dire que un discours est efficace, ça peut être ça. Si vous avez une vision très euh, rationaliste du discours, vous allez penser que ce qui doit passer au maximum, c'est ce qu'on pourrait appeler les opérateurs de vérité. Hum, si on prend le mot rhétorique dans sa fonction historique, puisque là il parle d'établir les fonctions rhétoriques, c'est pas ça qui devait passer. Pour Quintilien, pour Cicéron, ce qui doit passer avant toute chose, c'est la puissance de conviction. C'est la capacité du discours à vous saisir et à vous convaincre. Et ceci, parfois, au prix de la vérité. À partir de là, le, le fameux sens de ce que vous dites est moins important que l'impression que le discours fera sur vous. Etc. etc. Et quant à l'opposition pulsion créatrice poétique à fonction rhétorique sur l'efficacité sociale. Là encore, on doit mettre en question l'idée que le poétique serait moins à même de faire passer quelque chose du fond du discours. Là aussi, je pense qu'on a tout intérêt à être assez prudent avec cette idée parce que le poétique d'une part n'est pas exempt de rhétorique, c'est-à-dire le poétique se constitue du rhétorique, se constitue avec, et mieux encore, le reformule. Il produit, des cadres. Il produit des cadres. Alors, certes, ce n'est pas ceux d'une légalité, bien que le poétique, en fait, étant historicisé, dire, l'écriture le, poétique, les constructions poétiques, elles viennent rejoindre l'infini flot des discours. Et on peut dire, sans trop risquer de se tromper, qu'elles exemplifient euh, le monde des énoncés en devenant elles-mêmes des charpentes, des ossatures historico-rhétoriques, c'est-à-dire qu'elles vont de, devenir des prototypes, des modèles, des, euh, des poncifs pour la rhétorique. À partir de là, le, on pourrait dire que le poétique euh, n'attend que le temps qui passe avant de devenir du rhétorique finalement. L'efficacité sociale peut aussi passer par là. Et d'autre part, le, le, en dehors de ce cadre qu'on pourrait dire conventionnel du poétique, le caractère frappant de, du poétique, si on accepte l'idée d'une pulsion créatrice, c'est-à-dire frappant par sa nouveauté, par le fait qu'on ne soit pas préparé, à, à l'entendre, à y être confronté, il invalide pas nécessairement la puissance d'une certaine efficacité des énoncés. Je dirais même qu'il y a des tas de cas de figure où les libertés que vous allez prendre pour produire un, un espace neuf, donc selon les, les conditions oppositionnelles proposées ici par Alain Rey, euh, entre politique et rhétorique, vous créez un espace neuf dont la force de conviction si on s'attache à l'objectif de la rhétorique, eh bien peut-être plus puissant que les conventions. Parce que le problème des conventions, c'est que si tout le monde les connaît, on parle des conventions, des énoncés, alors tout ce qu'on voit, c'est leur transparence, la transparence des conventions. Et plus personne ne croit ça. C'est ce qu'on appelle la langue de bois. À partir du moment où le cadre conventionnel de euh, l'efficacité sociale du discours n'est plus rien d'autre que l'inlassable répétition des tropes les plus connues, alors plus personne n'est à même d'y trouver quelque chose comme une vraie efficacité sociale, parce que tout simplement, le discours est soluble. Dans euh, certaines formes de la normativité rhétorique. Salut Samusassa, salut Jasmine. Est-ce que tout le monde va bien? Nous évoquions tout à l'heure, Jasmine, que nous allions oui, On va dire ça comme ça. Disons que nous essayons d'échapper à la torpeur mélancolique de la politique. On essaie de faire ça. Donc on va essayer de faire ça ensemble en lisant euh, notre ami. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir euh, avec ce socle euh, d'éclaircissement, comprendre autrement la proposition de Ré, c'est-à-dire la comprendre aussi de façon critique, voir par où s'amorcent euh, certaines convictions là-dedans qui peuvent laisser supposer à certains moments euh, peut-être une trop grande rapidité dans euh, euh, les opérateurs euh, les, euh, et les représentations. Il dit donc. Que les lois de l'image altèrent la pureté du geste pour maîtriser le regard d'autrui et le noyer en illusion. Ainsi s'organise une technique où s'absorbe et souvent se perdent les créatrice, le poétique, pour établir les fonctions rhétoriques sur l'efficacité sociale. Donc on doit entendre dans ce comment, dans ce chapitre dans ce chapitre dans ce paragraphe d'une façon générale que on ne peut pas espérer euh, produire de l'efficacité sociale des énoncés trop loin d'un certain type de légalité, loi de l'image, loi des énoncés, on, prend le, on prendra le risque, en gros, d'être rigoureusement incompréhensible, comme le disait Nietzsche quand il écrit dans le chez Homo, euh, si vous voulez parler de choses neuves, vous allez devoir emprunter un langage neuf pour ce faire. Salut à toi, Cogito Ergosum. Et à partir du moment où vous euh, soumettez votre euh, discours, vous annoncez à cette nouveauté euh, totale, Nietzsche dit, ben, il y a des chances qu'on ne vous comprenne plus et qu'on ne comprenne pas où vous voulez en venir, qu'on n'y voit rien à ce que vous voulez dire. Et si on ne voit rien, on aura l'illusion de croire qu'il n'y a rien. Et pour lui, c'est une fatalité, parce que Nietzsche, pour autant, lui, ne renonce pas. Il n'oppose pas la pulsion créatrice, le poétique, hein, comme dirait, à l'efficacité. Il, il n'y renonce pas parce qu'il pense que c'est là que se trouve précisément l'opérateur de vérité. Dans le cadre nietzschéen, hein, un renoncement au poétique serait un renoncement, en fait, au fond de l'idée à, euh, à produire, à transmettre, à partager. Donc, pour lui, c'est un, un fatum, c'est une fatalité que pendant un moment, au moins, il y ait euh, perte de relation euh, avec l'efficacité sociale. Donc on garde en tête cette idée. Et gardez en tête ce que je vous en disais, à savoir que malgré tout, il y a une vraie porosité entre ces domaines, que ce n'est pas une bonne idée de produire comme ça des espèces de machines à deux temps complètement oppositionnelles, où il y aurait d'un côté le poétique, de l'autre le rhétorique, d'un côté l'efficace et de l'autre la noyade dans euh, l'inintelligible. Tout ça n'est pas aussi simple que ça. Et en plus, si on parle de régime de l'égalité, qui paraît assez simple, euh, grâce à, la, à certains aspects de la linguistique, la sémantique par exemple, assez simple de, de voir par où quelque chose passe ou pas, ou peut-être par d'autres champs, hein, celui de la logique par exemple, euh, et en tout cas au minimum d'y voir clair dans le régime de l'égalité, comment ça s'organise, comment ça fonctionne, c'est quoi les lois générales qui vont gouverner l'organisation des discours, mais pour les lois de l'image. Alors ça, c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Elles sont, euh, sont toutes sauf éternelles, elles sont toutes sauf euh, cernables et saisissables, et euh, elles sont extrêmement friables et euh, plastiques, ductiles. Alors que l'écriture, s'arrachant au corps et à sa mimique pour se régulariser par les machines, a détruit cette unité puissante que conservent les calligraphes en Orient, la figuration est sauvée par son être esthétique. Bon là, évidemment, notre ami est bien loin de connaître l'existence euh, des IA productrices d'images. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Il dit que l'écriture a perdu quelque chose de sa corporealité dès l'instant où on a en quelque sorte machinisé hein, les cadres de reproduction des textes. Euh... Il y avait effectivement, à la période médiévale, on appelait ductus, dans l'écriture hein, d'un moine copiste, la façon dont il appuyait sa plume, son calame, son roseau, dont il traitait son écriture, et on pouvait reconnaître euh, tel ou tel script par, euh, par son fameux ductus. Euh, évidemment, ces, ces choses, hein, c ces, ces traits, ces caractères d'une écriture, ont. Une puissance signifiante. Elles disent quelque chose, c'est vrai. Pour autant, est-ce que le machinique arrache complètement l'écriture au corps et qu'est-ce qu'il appelle la mimique C'est intéressant, la, la question d'une mimique du corps dans l'écriture laisse supposer qu'il y a quelque chose du corps qui se dépose. Jusque dans cette espèce d'extrémité prothétique, cette, cette dernière extrémité artificielle d'un corps, que va être un pinceau, que dans, euh, dans la façon dont il se pose, se tire, euh, s'écrase, lâche sa charge d'encre, bien quelque chose du corps tout entier viendra s'y résumer. Euh, je vous dirais bien que j'accrédite complètement cette vision de la présence d'un corps tout entier dans un petit trait de plume ou de dessin. Et donc, ce qu'il dit, c'est que la figuration est sauvée par son être esthétique. Alors, là, je trouve le, la formulation un petit peu maladroite. Parce que je n'ai pas la moindre idée de ce que veut dire euh, un être esthétique, ou surtout pas l'être esthétique de la figuration. Et je vous dirais bien aussi que la figuration, je ne vois pas trop ce qu'elle vient foutre là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas comme si... Quelque chose se perdait d'une corporéité dans des processus de, de dessin euh, dont la figuration est, est je dirais, le cadet des soucis. Évidemment pas. Voyons pourquoi il dit ça. Alors, on est dans le cadre des bandes dessinées. Il faut bien comprendre que dans les bandes dessinées, la question de la figure est centrale. Elle, est, elle a d'autres raisons d'être que dans les autres images, évidemment, puisqu'elle va participer. Comment on pourrait dire ça de la série des illusionnismes sur lesquels repose le fonctionnement de cette discipline, en tout cas le fonctionnement des productions de cette discipline, les bandes dessinées elles-mêmes. Donc quelque chose, effectivement, de la figure y travaille puissamment, euh, plus que dans les autres arts plastiques où, d'une certaine manière, les, les expériences du début du XXe siècle ont rendu, euh, sinon caduques, du moins adventistes, nécessaire euh, une bonne partie des opérations de figuration. Les procédés de transmission cherchent à respecter son origine gestuelle, ne la compromettent que sournoisement. Les procédés de transmission cherchent à respecter son origine gestuelle. Ça veut dire que la façon dont l'image produite de main d'homme euh, tente, enfin, ne, ne cherche pas nécessairement, selon Ray, à disparaître euh, techniquement, mais au contraire à transmettre en même temps qu'elle, c'est-à-dire en même temps que ce que l'image figure, eh bien, un corps, un corps supplémentaire, c'est le corps qui l'a réalisé. Ce corps, d'une certaine manière, il est co-présent aux figures. Un dessin représente à la fois une chose, si on accepte l'idée qu'un dessin représente, enfin que ça va être la question, une chose, donc un mouvement, une configuration, et son auteur ou son autrice, qui viendra d'une certaine manière s'y si révéler hein, corporellement. Ce serait ça, ce qu'il appelle ici son esthétique, son être esthétique. Alors, il y a un, un certain malentendu, parce que l'objet de l'esthétique, euh, historiquement, c'est n'est pas simplement le fait. De, de faire valoir le caractère humain de la production des images, l'objet de l'esthétique, ça reste la beauté, ce qui en fait un vrai problème, je dirais, sans fond, et ce qui fait de l'esthétique une, une discipline douteuse d'une certaine façon. L'histoire de la typographie montre l'insertion de l'esthétique créatrice dans le technique reproductif par l'élaboration des formes conçues pour une transmission industrielle. C'est une question évidemment qui est complexe à aborder parce qu'il y a des raisons d'être effectivement expressives, puis il y a aussi beaucoup de, de raisons d'être qui sont purement historiques. Il y a le fait que... Bon, si, euh, si telle si, si tel, euh, graphie euh, va euh, apparaître euh, en, sous une certaine forme avec des empattements euh, en, à la Renaissance, par exemple, bah, c'est parce qu'on se réfère à la façon dont la taille lapidaire des stèles romaines vont tailler des, des, des incises euh, à l'intérieur euh, d'une pierre, et, et c'est cette construction-là qui viendra s'historiciser et justifier la forme d'une lettre, là où c'était euh, la pose d'un roseau ou d'une plume qui pouvait justifier les écritures vaguement gothiques, ou comme ça avait été le cas euh, aussi euh. autrefois. Pour toute la série des inventions scripturaires et des, euh, des corps d'écriture manuels, elles avaient des raisons d'être qui étaient extrêmement chevillées à leurs histoires et à leurs relations à l'histoire et donc à leurs référents, à leurs connotations. Ou des fois, ça peut être des, des gestes euh, significatifs qui vont débarrasser euh, l'histoire d'une certaine façon d'aborder l'écriture pour y injecter finalement un, un nouveau vouloir dire, comme, comme par exemple les, les lettres carolines créées dans l'environnement intellectuel de, de, de Charlemagne, qui vont se substituer aux onciales pour Produire une espèce de matrice euh, cohérente intellectuelle à la révolution intellectuelle générale qui entoure la cour de Charlemagne, etc. etc. Donc les lettres sont porteuses de plein de choses qui sont euh, qui conçoivent comment dans, dans les formes sont conçues bah, avec une notion qu'il faut et, et je dirais euh, qui va excéder la question de l'esthétique créatrice dont on parlerait pour cohabiter, je dirais, avec plein d'autres choses, plein d'autres intentions, plein d'autres questionnements. Euh, et après, il y a les connotations. C'est sûr que quand la Dido du Roi est, est, est créée, euh, elle va assez... Euh, Idéalement incarner une certaine forme de rationalité, et quand Vincent Auriol fait sa lettre, il répond à l'art nouveau qui l'environne en produisant une typographie qui est très chargée de cette espèce de végétalisme décoratif, etc. Donc là, oui, là, là, le désir esthétique correspond, je dirais, à une époque et à sa vision de l'art, mais également à, toutes les, comment dire, à tout l'appareillage moral qui entoure ces décisions-là. Vous me dites quand je ne suis pas clair. Hein. Donc il dit, l'histoire de la typographie montre l'insertion de l'esthétique créatrice dans le technique reproductif par l'élaboration de formes conçues pour une transmission industrielle. A savoir aussi que, évidemment, quand il s'agit de typographie à proprement parler, c'est-à-dire de caractères industriels euh, destinés à être reproduits mécaniquement, d'autres questions vont se poser qui sont des questions d'ordre technique et qui vont aussi euh, justifier certains choix euh, de configuration. Euh, pour la charge d'encre, la lisibilité, euh, pour euh, aussi euh, euh, comment une, une certaine discrétion. Le typographe euh, par exemple, travaille sans cesse à un apparaître disparaître. Son travail est, de, est une mise en valeur de pas du texte, parce que ce n'est pas quelqu'un qui voulait va produire de la connotation. Euh, ce n'est pas comme si on allait, par exemple, faire des lettres fleuries pour illustrer un bouquin de jardinage. quoi. Non, on produit toujours un texte pour mettre en valeur le dire du texte, c'est-à-dire le fait qu'il puisse signifier librement sans être encombré par la présence d'une typographie trop envahissante. Par exemple, c'est la limite de la typo d'Oriole. Elle est si chargée qu'elle est assez embarrassante à lire, finalement, et ce n'est pas un très bon choix typographique. Alors, Kogito nous dit c'est bizarre de ne voir que le corps dans l'acte de création. Il place ça comme comment par rapport au hasard ou même à l'effet du temps. Hmm. Je crois que là, puisqu'il est question de typographie et euh, qu'il est question de régime de légalité. La typographie, tu vois, il l'oppose euh, au moment calligraphique. Donc par rapport au corps de celui qui, qui produit euh, de façon transparente, finalement, euh, le texte imprimé, le texte écrit le te, ou le texte manuscrit. C'est-à-dire que qu'il y a une sorte d'abstractisation du corps du typographe derrière sa typographie et sa machine. Il n'apparaît pas de façon implicite comme résumé charnel à l'intérieur de sa pose. Il n'y a pas un « ductus ». Du typographe qui permettrait de dire facilement Ah oui, le mec qui a composé les lignes, là je reconnais sa façon de le faire, etc. Il y a une tendance générale par la mécanisation de ces gestes à décorporer euh, d'une certaine manière l'action euh, qui produit la forme. Donc ce qu'il va chercher à faire, je penserais à ce moment-là, c'est d'essayer de voir où se niche la singularité. Quand il parle des lois de l'image, clairement il est dans un questionnement par rapport. À, au, on pourrait dire à une régularité sociale. Il y a une régularité sociale de l'image, euh, qui est multiple, hein, qui est abordée de plein de façons, et pour autant surgit dans cette régularité, donc qui suppose à cause de ça une sorte de décorporalisation c'est-à-dire la production de société plutôt que production du sujet, et eh bien voir par où à l'intérieur de cette décorporealisation par la masse par le social réapparaîtrait du sujet réapparaîtrait donc un corps unique un corps singulier euh, pris à un certain moment dans son action je pense que c'est à cet endroit là tu vois qu'il il place le corps euh, comme on pourrait dire lisible à l'intérieur des conditions d'apparition d'une forme L'évolution des arts plastiques atteste les compromissions opposées et l'investissement de la trace spontanée par les techniques d'exécution, puis les procédés de reproduction. Déjà la gravure, puis la multiplication massive, insèrent leur médiation compliquée entre la main et l'œil social. Il n'y a pas que la main et l'œil social, là du coup il y a de la main sociale hein, euh, qui vient d'une certaine manière interférer entre la production et la possibilité d'en jouir, de l'observer, de la comprendre, etc. L'évolution des arts plastiques atteste les compromissions opposées et l'investissement de la trace spontanée par les techniques d'exécution, puis les procédés de reproduction. Alors évidemment, pour la gravure, cette question est très différente puisque euh, il y a un investissement pulsionnel très fort dans la gravure, euh, à tel point, par exemple, que quand vous voyez les euh, Comment les, les gravures euh, comment, euh, des grands illustrateurs du 19e elles sont souvent doublement signées par celui qui a fait le carton et par celui qui a gravé. Parce que ces deux mains euh, concourent très largement autant l'une l'autre à la présentification à la, de cette forme, à son existence, à sa singularité, à ses propriétés, etc. Donc la taille euh, de la gravure, même si par la suite la plaque est tirée plusieurs fois, n'est pas très différente en vérité euh, du mode du dessin euh, comme euh, condition de, de production d'un espace graphique, euh, d'un espace plastique. Le signifiant graphique est travaillé par trop d'intermédiaires pour que s'y retrouve à nu l'indice causal. Les figures du désir se jettent sur le destinataire à partir de la surface organisée par le peintre ou le dessinateur, de la manière attaquée et formée par le sculpteur. Et il n'en va plus de même avec l'image imprimée et le moulage répétitif. Alors qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ça aurait disparu Pourquoi, par exemple, quelque chose aurait disparu quand on parle du moulage, par exemple, de, de la sculpture Je pense à la façon dont euh, Rodin euh, laisse... De façon très présente, euh, l'empreinte de ses doigts sur la glaise qui ensuite va être moulée pour produire un bronze. Est-ce que réellement, dans la production des bronzes, on a perdu la corporealité en acte euh, dans la réalisation de la sculpture de Rodin Je ne suis pas sûr de ça. De la même manière, pour peu que la, la reproduction soit de bonne qualité. Et je sais si aujourd'hui hein, l'imprimerie permet de faire des choses absolument renversantes en termes de précision, alors euh, peut-être que on doit être, on peut tout à fait satisfaire de la présence du corps du dessinateur rendu par l'imprimerie. Je ne pense pas qu'on y ait perdu grand-chose dans tout ça. Peut-être parle-t-il d'autre chose. Hein. Si l'icône fonctionne sans faiblesse. La force qu'elle tenait de la pulsion est altérée. S'y superposent les discrets symptômes du travail anonyme des machines. La pellicule industrielle se dépose sur l'art et multipliant ses effets, ronge sa chair. Est-ce qu'on est, qu est juste en train de parler de la même chose que Benjamin avec la perte de l'aura Je ne sais pas. Alors, que dit Cogito Ça, je suis d'accord. Mais on peut aussi dire qu'il commence à y avoir une abstraction, une décorporisation euh, avec la formalisation de l'écriture quand on se décide comment doivent être écrites les lettres. Je vois la différence de nature entre ça et le passage à la typo, la gravure. Tu cuisines en même temps. C'est la question du ductus. Euh, évidemment, il y a. Mais enfin, ce n'est pas seulement la question du ductus, en fait. Réfléchissons. C'est la question de toutes les régularités sociales des modalités de production. Et il y en a toujours. Une image, eh bien, elle a un cadre d'apparition sociale qui, d'une certaine manière, gouverne un certain champ de possibilités. Tu vois, Tout ne peut pas apparaître indifféremment à son siècle. Il y a du possible et de l'impossible, euh, dû simplement aux circonstances, au contexte, etc. Il euh, n'y a rien, évidemment, d'universel dans les images, absolument pas. Elles sont extrêmement conditionnées à ce cas de notre production. En fait, ce n'est pas très différent, tu vois, on parle de l'écriture, ça nous semble tellement comment, euh, normatif, puisqu'il y a une série, semble-t-il, limitée de signes euh, alphabétiques pour les écritures alphabétiques comme les nôtres, ou d'autres, si c'est des des, 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 comment, des écritures logogrammatiques, pictogrammatiques, hiérogrammatiques, idéogrammatiques, bref, on s'en fout euh, à chaque fois. Effectivement, il semble y avoir un, un nombre limité euh, de caractères, euh, et on pourrait se dire que le, la norme l'emporte sur la présence. Mais, au fond, c'est une vision... Fausse de, de cette idée, puisque c'est notre attachement au sens transporté qui fait voir les effets de cette corporalité comme une espèce de réalité générale qui devrait s'y retrouver dans toute l'étendue de la production avec la même intensité. Alors qu'en vérité, quand on parle du ductus euh, de tel ou tel euh, scribe euh, comment, euh, dans une scriptoria, tel, tel ou tel moine euh, qui, qui est copiste, en, ce qu'on observe, un seul caractère suffit pour le faire exister, tu vois. Donc, euh, oui, on est dans cette situation où il euh, y a une formalisation euh, normative, une régularité, une légalité de la construction. Certes, on, on pense, parce que le cadre de production est tout entier voué à un devenir sémantique, donc... À un escamotage supposé de la figure de la lettre. Elle est censée disparaître au profit de ce qu'elle soutient comme texte. Donc, tout simplement, nous sommes moins les observateurs, tu vois, de, de cette corporité. Mais au fond, je dirais que le régime général de soumission d'un corps qui produit l'écriture ou d'un corps qui produit des images à des règles générales, sociales, historiques, n'est pas si différent. Voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois, les possibilités d'apparaître en tant que sujet dans une production plastique, qu'elle soit scripturaire ou qu'elle soit iconographique, enfin, euh, qu'elle soit pardon euh, euh, iconique, mais il y a probablement, je dirais, le même type de distance entre le possible et l'impossible entre le collectif et l'individuel. Voilà. Donc évidemment. On pourrait rentrer dans les détails hein, à chaque fois de, de ce qu'on aborde, parce que bon, euh, tu as des, des moments de l'histoire de l'écriture où on doit l'aborder sous, sous plusieurs aspects, euh, parce que dans la plupart, euh, la plupart des langues que je connais, il y a plusieurs façons d'écrire. Il y en a une avec, euh, avec des lettres qui sont destinées à être reproduites dans certains cadres, cadres religieux, cadres sacrés, et d'autres qui sont cursives, manuaires, destinées à des usages courants. Euh, je crois me souvenir que dans les, la plupart des, des écritures égyptiennes, il y avait trois types d'écritures selon les, les... Et donc, elles portent des effets de singularisation différents, et peut-être pas aux mêmes endroits. Je pense qu'il faudrait être euh, très attentif, tu vois, à ce qu'on va appeler les localités expressives, pour mieux comprendre ben, quelle est la plasticité, finalement, d'une subjectivation dans ce type de cadre. Bon, J'espère que je ne suis pas trop à côté de ce dont tu parles, Cogito. Si l'icône fonctionne sans faiblesse, la force qu'elle tenait de la pulsion est altérée. D'accord. L'iconographie remplit les formes figurales d'un contenu narratif et social. Elle suppose une circulation. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là il nous dit l'iconographie. Déjà, il faudrait qu'on s'entende tous ensemble hein, de, de quoi ça parle. Qu'est-ce que c'est l'iconographie ben, On peut pas mieux dire que ce dont nous sommes en train de parler en, en ce moment. On est en train de parler de la régularité. Eh bien, euh, l'iconographie, c'est un truc qui aura occupé euh, les historiens d'art pendant un bon moment, par exemple, qui aura consisté à pouvoir attribuer du sens de façon très précise et fixe à l'apparition de tel ou tel objet euh, dans un tableau, dans une image, quelle qu'elle soit, et de se dire voilà, le sens est là. Cet objet, c'est ça. L'iconographie, d'une certaine manière, c'est la mise en inventaire de toutes les occurrences de certaines représentations dans le cadre général de la production des images. On dit, bon, voilà. Euh, l'iconographie, par exemple, ça peut être l'étude chez Didron, euh, qui, qui a écrit la plus grosse somme de l'iconographie chrétienne au, au 19e, une espèce d'énorme bouquin, à la fois fastidieux et, et fascinant, intéressant. Dans lequel il compile, il inventorie, il série et analyse tous les éléments qui vont constituer euh, l'espèce de grammaire de forme euh, caractéristique de, de l'art chrétien pour nous dire, bah, quand on rencontre ça à tel endroit, voilà ce qui se passe. Quand par exemple un nimbe est euh, circulaire, alors il représente ici un saint. S'il est euh, quadrangulaire, alors ce sera un mort. S'il est euh, crucifère, ça va être euh, le Christ ou une des, euh, une des incarnations euh, du Dieu, que, que ce soit. Dieu le Père, que ce soit l'agneau, etc. Et alors, celle-là, il sera crucifère, etc. Donc, il va commencer à déplier à l'intérieur de l'iconographie tout un univers qu'il serait peut-être un peu rapide et pas très adroit d'appeler un univers de symboles. Je pense que ça excède très largement la question du symbole. Qui est une certaine façon d'isoler euh, des quantités plastiques, voilà, des, des éléments, pour produire une certaine clarté interprétative de ce qu'on est en train de regarder. Donc, d'une certaine manière, l'iconographie, c'est cette espèce de lecture de toutes les conventions sociales euh, gelées, piégées dans l'ombre des images, si vous voulez. Donc l'iconographie remplit les formes figurales d'un contenu narratif et social. Elle suppose une circulation. Celle-ci, pour être assez intense, requérait avant tout, avant toute technologie industrielle, un fonds culturel durable et mille investissements, tous orientés vers lui, vers l'exaltation de traditions vécues, vers un immense discours à illustrer. C'est évidemment... Il y a des limites à tout ça. Pourquoi on est obligé, quand on est didron, d'écrire une si grosse iconographie chrétienne Mais c'est tout simplement parce que les usages, euh, ben ça passe. Et que euh, on a beau être au taquet euh, de, de ce qui se fait à un certain moment de, de notre histoire, euh, eh bien les les modes iconographiques sont fugaces. Salut Solarius. Donc du coup on peut tout à fait se trouver dans des circonstances où euh, la fidélité iconographique d'un moment deviendra l'obscurité euh, de la lisibilité euh, du moment suivant. Tout simplement parce que tout ce qui faisait les conditions sociales d'apparition de cette charge iconographique bah, disparaît. C'est plus autour de nous, on vit plus avec, ça a changé. Et du coup, bah, en très peu de temps, 50 ans, on comprend plus les images. D'autre part, il y a aussi une faiblesse à l'iconographie qui supposerait pour une vraie circulation qu'elle soit comprise par tous et toutes de la même façon tout le temps, même dans les moments, je dirais, où elle est au maximum de sa euh, transparence au siècle, au maximum, je dirais, d'une contemporanéité des éléments utilisés et de la société dans laquelle ces éléments apparaissent. Bah, même ça, ça laisse supposer effectivement un entendement général très précis. Et là encore, la subjectivité peut s'injecter assez finement, et c'est toujours le cas, parce que, évidemment, dans les usages, et notamment dans les usages des lieux communs, donc dans un cadre iconographique qu'on pourrait appeler cadre plat, euh, cadre où telle chose signifie telle autre chose, le cadre le plus plat du monde, c'est évidemment l'allégorie, où tel élément est renvoyé, à tel élément figural est renvoyé à tel élément sémantique. Bon, c'est très magique, c'est une espèce de partie binaire comme ça, c'est du pur codage. Mais justement, que faire grâce à ça, je dirais, de, de cette platitude des affects Et bien Dans cette platitude des affects, il y a évidemment la place pour injecter de la subjectivité. Ce qui fait que tout signe iconographique, évidemment, a un devenir polysémique. Évidemment, il appelle un réinvestissement pulsionnel. Et évidemment, il peut devenir tout à fait autre chose que ce qu'il est, euh, même en tant qu'unité. Je dis même en tant qu'unité parce qu'évidemment, euh, le truc, c'est que l'iconographie, bah, ça produit des opérateurs. C'est-à-dire que si vous placez. Euh, certes, c'est facile de voir comme objet iconographique que le glaive, c'est Saint-Paul. Soit, soit, soit. Oui, c'est intéressant de voir que la pierre, c'est Saint-Pierre. Soit, soit, soit. Enfin, là, les clés, c'est Saint-Pierre. Mais si vous commencez à faire cohabiter Paul et Pierre autour d'une autre figure, vous commencez d'un seul coup à établir un dialogue savant entre l'Église de chair et l'Église de Pierre, entre le prosélytisme de Paul armé et euh, la construction de l'Église qui est à la fois euh, la communauté de tous les chrétiens et puis le fondement de Rome, etc., etc. Vous commencez à placer des, euh, des attributs iconographiques, mais vous commencez à dire plein d'autres choses. Donc, vous avez de la subjectivation possible, évidemment, parce que le glaive de Paul, c'est aussi un glaive. À partir de là, vous pouvez y injecter, dans un cadre de représentation, des fonctions qui appartiennent au vrai glaive, au glaive véritable, à ce qu'est un glaive, à ce que fait un glaive en dehors du fait qu'ils doivent être celui de saint Paul. À partir de là, eh euh, l'iconographie, ça redevient finalement euh, des images ouvertes. Et ça, c'est important de garder ça en tête. L'art égyptien ou assyrien, la sculpture romane, la thématique renaissante offrent les exemples incomparables et qu'il faut comparer de cette tension par laquelle la force organisatrice du corps gestuel aboutit en un contre-monde racontable, aussi vrai que la psychose. Il bon, y a beaucoup d'appels hein, qui sont faits euh, euh, comment, euh, par Alain Rey à l'organisation psychique et au fait d'une certaine manière euh, de rapprocher. Ce que, d'une certaine manière, les images font délirer du monde par la façon de s'y achoper, de s'y arquebouter et euh, de le contrarier. Ce qu'il appelle un contre-monde, un monde qui n'est pas le vrai monde, qui est un monde d'images, et qui, d'une certaine manière, a un plan de réalité pour lui qu'il rapproche ici de, de la psycho, c'est-à-dire un vrai plan d'incarnation, avec aussi une ouverture euh, infinie. Revers du subi l'univers figural que nous appelons « art » renie sa nature poétique dès qu'il veut vivre dans la communauté, dès qu'il vise la communication. » Il a fait un calembour pourri entre communication et communication. C'est pas, pas joli, mais bon, faut pas oublier, hein, on est en 78, j'ai dit, donc là, euh, ça y va, hein, euh, euh, le lacanisme et tout ça, c'est très présent chez Alain. J'y vois pas un défaut majeur pour ma part, ça me dérange pas du tout. Je suis habitué à lire Les Intellectuels des années 70, donc effectivement, la psychanalyse est très, très présente hein, dans, cette, dans cette période de, de, de la philosophie, de, des sciences sociales, etc. Donc, c'est assez logique, de, enfin, c'est pas logique, c'est assez courant de voir jaillir d'un seul coup du matériel psychanalytique à l'intérieur d'une analyse. C'est vrai en histoire de l'art, si vous lisez d'amis, je fais ce genre d'auteur, vous allez voir apparaître assez rapidement des concepts psychanalytiques. Hmm. Alors. Il y a peut-être des choses qui vous échappent à, à cet endroit-là, parce qu'il dit L'univers figural que nous appelons art renie sa nature poétique. Donc, renie sa nature poétique, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ah, D'ailleurs, il, où il la renie Il la renie quand il veut vivre dans la communauté. Donc, il oppose ici ce qui fait art et ce qui fait action de communiquer. Communique-action. Mon Dieu, quel abominable calembour hein. Donc, on en revient à l'opposition qu'il donnait au début du texte. En gros, il trace deux espèces de lignes sur un axe. Voilà, comme ça, vous avez les abscisses et les ordonnées. Plus vous allez vers l'art, plus vous vous éloignez de la communication. C'est un petit peu ça, l'idée qui préside à cet endroit-là. Salut, Chira avec ce délicieux et charmant raid d'un viewer. Bienvenue à toi. C'est très, très gentil de faire ce très joli raid d'une personne. C'est un beau raid. Euh, donc, je suis en train de lire euh, « Les spectres de la bande hein, » de Hallaret. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, que l'univers figural appelé art renierait sa nature poétique Alors, la nature poétique, déjà, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Il y, a, comment, il y a Paul Valéry, il définit très bien dans le cadre de l'art, il dit euh, qu'on doit appeler poétique l'ensemble des études qui portent sur l'instauration de l'œuvre, et notamment de l'œuvre d'art tout ce qui instaure l'œuvre, c'est-à-dire qu'on est en train de parler des comment des régimes de potentialités qui sont au travail et que certaines conditions de ce travail font apparaître dans les comment dans le en science la poétique c'est ce qui va étudier les potentialités tout ce qui est ressorti au domaine de, de l'hypothétique donc on prend un cadre un cadre précis ce cadre précis il établit une grille de potentialité et que la, comment dire l'actualisation la, de ces potentialités pour prendre un terme aristotélicien eh bien va produire euh, d'une certaine manière du nouveau quelque chose de nouveau cette nouveauté euh, étudiée euh, de cette façon dans le cadre scientifique c'est évidemment une des choses qui habite le plus la, la question artistique la question du nouveau qui n'est pas anecdotique en fait puisque c'est la condu la condition je dirais, de friction des œuvres d'art avec les temps avec le, le dernier état du monde une façon d'une certaine manière de le renverser salut poupou du 74 tu es toi et eh bien si tu as raison d'être toi tu bien bienvenue euh, bienvenue et sois heureux d'être toi donc en art c'est quoi la poétique c'est l'étude de tous les processus euh, de création qui sont au, au travail pour faire apparaître les conditions de la nouveauté et aussi l'étude des euh, relations qui peuvent exister entre le sujet auteur et son œuvre dans euh, ces conditions d'apparition de, de, des ou plutôt de, de révélation des potentialités. Pour parler de poétique, il faut donc alors le spécialiste de ça c'est comment c'est Passeron, euh, je crois qu'il a beaucoup écrit sur, euh, sur la poétique. Euh, donc, c'est euh, comment dire, le, c à l'origine, ça vient puiser euh, son mot chez Platon qui parlait de la poésie. Et la poésie chez Platon, c'était euh, tout ce qui était causal et qui faisait passer le non-être à l'être. Typiquement, on est dans la question des potentialités que l'on vient euh, faire apparaître, incarner, matérialiser, euh, etc. Voilà, voilà. Donc, il dit que le revers du subi, c'est le moment où, dans ce qu'on appelle art, il y a un reniement de la nature poétique pour atteindre la communication. Là aussi, il faudrait s'entendre sur la question de la communication. On est exactement dans le même questionnement qu'au début du texte. On est en train d'opposer finalement la question de la dilution dans le sensible de certaines propriétés artistiques euh, au prix de l'efficacité au début du texte et ici au, au prix de la communication. Tout, tout ce qui s'y oppose ici, en gros, hein, c'est entre le dire et le vouloir dire, entre le fait de dire avec le fait que ça prenne forme et euh, les intentions qui seraient supposées charpenter ce vouloir dire. D'accord Que dit-il ensuite Il dit par nature Il présente, Vorstellung, plus qu'il ne représente, imagine plus qu'il n'image, condense qu son prétexte en lui donnant les dimensions absentes de son espace matériel. Alors il, dit, il a mis entre parenthèses Vorstellung, clairement, une fois encore, c'est un concept psychanalytique. Vorstellung, ça nous vient, euh, je pense, hein, l'endroit où... On... Parce que littéralement, Vorstellung, en allemand, ça veut dire plutôt performance, mais en fait, dans le sens freudien, on est plutôt en train de parler d'un certain type de représentation. Hein. Donc dans, quand Freud parle de ça, euh, il essaie d'opposer de, deux types de représentation. Donc il y a Vorstellung, qui serait la représentation en tant qu'élément psychique. Voilà, là, Alain Rey parlait des représentations euh, psychiques aussi, puisqu'il parlait de la psychose tout à l'heure. Hein. Euh, donc le Vorstellung, c'est la représentation en tant qu'élément psychique. Et le, il oppose ça, Freud, au Repräsentanz, la représentance, si vous voulez, c'est la représentation en tant que fonction. Alors nous, ben, évidemment, en français, on n'a qu'un seul terme pour tout ça, c'est représentation. Qui va représenter tout ça en même temps, à savoir hein, l'action de représenter, être en train de représenter, là, et la fonction, la fonction de représenter, et puis ensuite bah, l'élément lui-même, on appelle ça une représentation, ça ne nous aide pas beaucoup. quoi. C'est le même mot pour parler d'une image, d'un objet, d'une idée, enfin bref, tout ce qui est le support de la fonction de représentation va être appelé par nous une représentation. Donc, ça ne rend pas facile de comprendre la subtilité euh, de, de Freud à, à cet endroit-là. En tout cas, il, il a, pour il ça a vraiment une grande importance de donner un, comment, un, un socle, un statut psychanalytique à la représentation pour faire comprendre un peu le, 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 la machine psychique, le, le fonctionnement euh, psychique. Donc, voilà, c'est là le mot vorstellung » apparaît quand il dit il présente plus qu'il ne représente, il imagine plus qu'il n'image, il condense son prétexte en lui donnant les dimensions absentes de son espace matériel. Alors c'est plus ou moins vrai, puisque l'espace matériel d'une œuvre, là encore, moi je pense que ça dépend beaucoup de notre propre porosité à saisir ça. Alors, Freud est dans l'œuvre ou c'est moi qui l'utilise pour compléter. Bah Tu sais, il, euh, il met par nature, il présente, entre parenthèses, Vorstellung plus qu'il ne représente. Donc, en gros, il emploie un terme freudien. Et tu vois, dans le tout petit paragraphe avant, il disait euh, La force organisatrice du corps gestuel aboutit en un contre-monde racontable aussi vrai que la psychose. Donc, il avait lui-même, si tu veux, arc-bouté son texte à euh, des propositions psychanalytiques. Donc, je ne crois pas que j'exagère je, beaucoup. Et. Euh, pour avoir lu un peu Ray euh, au long, enfin, j'ai lu ce bouquin il y a une dizaine d'années, donc j'ai un peu oublié, hein, je le redécouvre complètement avec vous. La psychanalyse est assez présente. Bon, je pense que ce n'est pas con qu'on s'encombre euh, ensemble un peu des concepts psychanalytiques, parce qu'il y a des chances que ça nous aide à mieux piger ce que, euh, ce que produit Alain Ray comme condition d'analyse. Je, je ne pense pas exagérer. Le signifiant, euh, comment pictural ou sculptural, donc le signifiant euh, euh, comprenait euh, d'une certaine manière la, euh, comment la, la forme sensible euh, porteuse de sens, d'accord. Euh, on oppose en, en linguistique euh, le signifiant à ce qui est signifié. Le signifiant, donc, c'est tout l'univers du, du signe porteur. Hein. Euh, le signifiant, bah, ça peut être. Euh, toutes sortes d'unités de signification. Ça peut être un mot. Et le signifier, c'est finalement le sens qui est censé passer. Alors le titre, je te le rappelle, c'est « Les spectres de la bande » de Alain Ray, et c'est sur la bande dessinée. Donc le signifiant pictural ou sculptural saisit le récit préalable dans l'un ou l'autre de ses nœuds et construit les tableaux qui désignent et cadastrent son lieu. Alors il faudrait du coup comprendre où se place le lieu. Parce que là, ce que ça suppose, c'est que quand on dit que ça cadastre son lieu, quand il dit que ça cadastre son lieu, que le signifiant vient cadastrer euh, le lieu du tableau, il y a un double cadastre. Il y a celui d'établir une géographie du tableau en lui-même, avec sa propre logique, sa propre organisation. Donc, d'une certaine manière, là, on est dans une espèce de, euh, de construction simultanée euh, du tableau au tableau, c'est-à-dire le tableau comme espace accueillant et le tableau comme espace structuré. Tout ça apparaît en même temps à mesure que le tableau se construit. Et il y a le référent, évidemment, le prototype, l'imaginaire ou, le, si vous voulez, les conditions d'observation. Ça dépend quel est le tableau, ça dépend qu'est-ce qu'il figure, mais bon. Là, on a vu qu'il était plus ou moins euh, dans le passé à cet endroit-là du texte. À l'arrêt, il parle plutôt des images du passé. Donc, il y a un autre cadastre, c'est celui euh, de ce que j'appelle moi le prototype, c'est-à-dire la référence à partir de laquelle on produit une image. Et cette référence, elle est complexe à trouver. C'est-à-dire que quand un, par exemple, un, un homme du XIIIe euh, siècle euh, représente, par exemple, une euh, sirène nordique sur un chapitre roman, donc de plutôt du XIIe siècle, en l'occurrence plutôt que XIIIe, euh, c'est quoi son référent Et il est multiple. Il y a un référent individuel, c'est-à-dire que le sculpteur, la sculptrice dispose généralement d'une certaine quantité de références personnelles, de croquis, d'images, euh, qu'il qui consigne dans des carnets, un petit peu comme dans les carnets de Villard-de-Honnecourt, et puis euh, qui vont lui servir régulièrement pour s'y référer. C'est Ce, euh, quelques supports, on pourrait dire, de la constitution d'une banque personnelle d'images. Puis après, cette banque, elle, elle, elle a des points de repère qui sont parfois littéraires. Là, il, va, il va se renvoyer euh, aux textes classiques de, de, de cette époque, euh, c'est-à-dire Isidore de, de, de Séville, euh, par exemple. Enfin, les textes dont il vous parle assez souvent, finalement, de euh, la production euh, du Haut-Moyen-Âge, qui vont servir jusqu'au Moyen-Âge, au Méso-Moyen-Âge, Méso -Moyen de, de banques de textes, de référence pour des figures, des représentations. Alors, celles, elles sont souvent plus décrites qu'imagées, bien que il y a des tas de vieilles images qui servent de référence, mais vous comprenez qu'il y, y a toute une série d'intermédiaires qui vont se placer entre l'image finale et puis euh, le désir de la poser, et qui servent tous, finalement, tous ces référents, servent à construire des images. Le moment où, par exemple, euh, le, des arbres, des, des éléments qu'on va appeler éléments naturels, donc tous les éléments du, du monde sublunaire vont apparaître dans les tableaux, euh, C'est pas, pas comme si c'était toujours le même mouvement qui allait euh, ramener à, à cette référence. On n'a pas les mêmes rapports à la question des éléments de la nature euh, au XIIe siècle et à la Renaissance. Et de la même manière, on a un rapport encore plus euh, euh, comment euh, fantasmé parce que plus à rapprocher à partir d'un XVIIIe siècle où on va observer la nature, euh, la croquer et d'une certaine manière penser que on la représente, alors que ce qu'on représente évidemment c'est le concept général de nature qui est en train d'émerger hein, euh, euh, et qu'on essaie de fixer à l'intérieur de tout ça. Là où au contraire un hein, peintre comme euh, je ne sais pas, moi, euh, le Pérugin euh, entre le 15e et le 16e elle va plutôt représenter une certaine idéalité. Euh, qui peut porter le nom de nature, mais qui, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec l'idée que s'en fera un peintre romantique. Ça, c'est certain. Et encore moins un rapport avec euh, la, la, la série des objets que dessinerait, euh, s'il voulait faire un arrière-plan à une enluminure, un homme du XIIIe siècle, tout simplement, parce que le concept de nature est impensable dans les termes où nous le pensons à ce moment-là, etc., etc. Donc, dire que le signifiant pictural ou sculptural saisit le récit préalable, c'est très compliqué de savoir quelque chose de ce récit. C'est très compliqué euh, depuis une image achevée, peinte, dessinée, d'avoir vraiment une entrée possible dans sa cause de référence. On va l'appeler cause référentielle, ce que moi j'appelle le prototype. En fait, c'est toujours assez savant. Ça veut dire que, un peu contrairement à ce que dit... Euh, euh, Alain Ray, il me semble que ce qui se cadastre le plus à cet endroit-là, eh c'est le sujet. C'est-à-dire la série des opérations par lesquelles il y a une subjectivation qui est en jeu. Et c'est surtout elle qui va apparaître. Euh, alors, on a pris l'habitude par la suite hein, de, de parler du style de tel ou tel auteur. C'est une façon comme une autre de parler de ce dont je suis en train de vous parler, finalement. Les endroits par lesquels la subjectivation laisse des traces très fortes euh, à la surface de l'image, et elles sont autant de référents, euh, je dirais, du, du créateur à lui-même pour produire euh, une image. Donc, de la même manière qu'entre signifiant et signifié, il y a un grand écart, ben c'est la conceptualisation, euh, parce que le mot chaise ne représente pas, n'est enfin, pas le signifiant de telle chaise. Il est de toutes conditions dans lesquelles on a besoin de se référer à une chaise. Donc, toutes les chaises possibles et imaginables, c'est-à-dire qu'il y a une très forte conceptualisation hein, entre le signifiant et le, le signifié. Sinon, il faudrait un mot chaise par chaise. Euh, eh bien, c'est un peu le même type d'opération. Dans l'Église médiévale, la Bible des pauvres, livre éclaté, texte en proie aux magies, traverse en ses points figuraux la ligne étirée du discours. Elle investit la syntaxe. On reviendra sur ce que signifie la syntaxe, mais rapidement cette idée d'une Bible des pauvres, euh, que serait l'Église médiévale, euh, etc. Euh, Mollo, je vous ai dit ça assez souvent. Mollo avec cette idée. Euh, non, ça n'est pas vrai. Mais là, on comprend bien que la référence de Alain Rey, est beaucoup Wolfflin, qui était encore beaucoup lu dans les années 70 comme référence. Je dis ça parce que il, il semble assez clair quand on lit euh, comment euh, Deleuze que lui-même très contemporain à l'arrêt, repose beaucoup hein, sa compréhension de l'histoire de l'art sur ce type de texte et sur wolfflin. qui explique aussi la, la, la faiblesse de certaines visions générales au moins de l'histoire de l'art. ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. les textes de deleuze sur l'art sont passionnants, mais en tout cas dans le domaine de la, la pensée historique de l'art, c'est très faible. voilà. Je, quand, quand, par exemple, deleuze parle du pli comme caractéristique baroque, il a une extrêmement faible connaissance de l'art du moyen âge pour dire une chose pareille. Donc, euh, pourquoi je dis ça Oui, la, la Bible, euh, comme. Euh, enfin, l'Église, comme Bible des pauvres, euh, qui laisse supposer que euh, les images leur sont dédiées parce qu'ils ne lisent pas les livres, c'est évidemment une, une chose qui repose sur un seul texte, euh, qui n'est pas tout jeune, je vous en ai déjà parlé. Hein. C'est un texte de Grégoire qui écrit à, à Sérénis, euh, l'évêque de Marseille, dans des conditions très particulières, des conditions. D'iconoclasme résiduel. Euh, et Grégoire défend la, la présence des images dans les églises et il essaie de trouver des arguments intéressants pour combler euh, Sérénus et dire Non, non, mais pète pas tout, ne détruis pas tout sur ton passage. Les, les images ont une bonne raison d'être dans les églises. Et c'est lui qui dit Oui, les images les gens qui ne savent pas lire à piger, à, à piger le texte saint. Évidemment, c'est des foutaises. Hein. Ça n'a aucun sens. Il est clair que si vous n'avez pas la référence évangélique, euh, si vous voyez un, un taureau dans un, un angle du Christ, vous dire « Ah oui, mais c'est un bien joli taureau Voilà, vous n'avez aucune raison d'imaginer qu'il s'agit de Saint-Luc. Il faut que vous soyez renseigné sur une, un certain nombre d'éléments qui renvoient ici à l'Apocalypse ou qui vont renvoyer tel autre attribut à tel moment du texte. En gros, il faut que vous ayez une connaissance du texte pour comprendre quoi que ce soit aux images. Les regarder ne va pas vous aider du tout si vous n'avez pas le texte de référence. Donc, évidemment, cette image n'a pas beaucoup de sens. Alors donc, euh, l'Église investit la syntaxe. Alors là, la question d'une organisation formelle euh, des énoncés par l'Église... Euh, l'église, je veux dire, comme corps architectural. Je vous ai assez bassiné avec ça pendant 12 lives sur les églises romanes. Donc, je ne vais pas y revenir. <laughs> je vous renvoie sur les lives de l'église romane. Je dirais bien sûr oui, mais pas dans les termes euh, où Ray essaie de nous inviter à, à nous déplacer. Alors, la syntaxe, rapidement, pour ceux et celles qui, sont pas, qui ont des petits trous en, en, en linguistique, qu'on peut oublier. Puisque là, on est en train de parler finalement de, de tout ce qui légalise, tout ce qui construit des lois d'organisation, de tout ce qui fait la régularité. Donc on va avoir comme ça plein de, de métaphores, d'une certaine façon, de l'organisation, qui sont parfois des métaphores, euh, et parfois ici, plus littéralement, des présupposés. Sur l'organisation des choses, euh, des discours et des images, donc le, les syntaxes. c'est la syntaxe, pardon, c'est l'organisation euh, formelle euh, des mots, euh, des lexèmes, c'est leur ordre, c'est leur agencement pour constituer euh, des phrases. Hein. C'est les, les règles grammaticales, pardon, euh, qui vont euh, présider à cette organisation, qui vont distribuer les fonctions des mots dans cette organisation. C'est donc le régime des signifiants. Voilà, le syntaxe, c'est le régime des signifiants, voilà pourquoi il rapporte ça à, à, à ce passage-là. Voilà, le, ce qui considère les significations, et pas les signifiants, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, les énoncés... Euh, en tant qu'ils sont des constituants du dire, du sens, bah ça, c'est la sémantique, dont la, la syntaxe, si vous voulez, c'est le support historique de la sémantique, c'est le, le support constitué et légal de la sémantique, mais ça ne lui est pas superposé. La sémantique obéit à d'autres règles, manipule d'autres unités, c'est des unités de sens. Voilà. L'artiste ramasse le texte sacré cette interminable ficelle, et en fait, dans le secret du projet figuratif, une pelote qui va se défaire autrement. Il invente des astres noués pour l'explosion en indicible, projetant avec l'intention édifiante les obscurs besoins qui la pervertissent. C'est intéressant quand il dit, il va euh, produire une pelote qui va se défaire autrement que le discours, en quelque sorte. C'est très intéressant d'imaginer que celui qui produit des images produit un nouage particulier du sens relatif aux choses auxquelles il se réfère, mais que par leurs conditions même et la façon dont elles sont organisées, bah les images ne vont pas se détricoter comme on détricote le discours, quand bien même ce serait le discours de référence pour construire ces images. Ça, c'est une notion importante à bien garder en tête. L'iconographie est alors séculaire. Elle s'organise en tradition. Toujours reprise et menacée, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, se clive en esthétiques divergentes, se perd et se retrouve en messages imprévisibles comme leur destinataire. Parce que évidemment, certes, l'iconographie produit une certaine régulation des euh, éléments constitutifs des images pour peu que ça veuille dire quelque chose de découper une image en éléments. Là encore, c'est une question qu'on est en droit de se poser, mais Évidemment, un nombre considérable d'accidents peut traverser la vie des images, elles peuvent perdre leur, leur destination et elles sont assujetties aussi à la façon dont elles sont produites par bah, des producteurs d'images. Donc les iconographies elles-mêmes passent leur temps à être perturbées sans pour autant complètement disparaître. C'est aussi ça qui leur donne la puissance d'être réinvesties, c'est qu'au fond, les, euh, les images sont toujours des dépôts résiduels de la longue production de celle-ci. Donc vous avez euh, comme ça des, euh, des, euh, des quantités euh, extraordinaires de spectres qui hantent les images. Vous avez euh, un arrière-plan de fantômes qui viennent grouiller sous la surface des images et qui sont bah, euh, l'histoire résiduelle, une certaine quantité de production qui n'ont pas disparu, qui réapparaissent là, qui sont réinvestis, qui veulent dire autre chose, qui parfois ne veulent plus rien dire d'autre que de simples usages. On a pris l'habitude de placer tel ou tel élément dont on ne connaît plus tout à fait le sens. Évidemment, ça les ouvre à, à une, une espèce de, de euh, réinvestissement continu. Ce qui fait aussi qu'il n'existe pas, évidemment, d'image pure de leur, qui serait euh, complètement assujettie à, à leur concept. Euh, L'idée d'une renaissance euh, pure, euh, complètement organisée sur la base d'un désir intellectuel de produire des images de telle ou telle façon est évidemment fausse. Ça ne résiste pas à l'examen. Si vous vous intéressez un peu à la peinture, vous verrez toutes sortes de fantômes agiter les surfaces, des, euh, des, des façons résiduelles de produire des images qui sont bien présentes euh, au XVe siècle, euh, qui appartiennent pourtant euh, bah, au Moyen-Âge, euh, qui sont encore là une certaine façon de traiter euh, les masses d'or, euh, ce genre de choses. Ça va rester là, euh, comme autant de fantômes qui, euh, qui habitent la surface des tableaux. Organiser en paradigmes qu'on peut répertorier après les avoir renommés, les noms propres, les catégories, les accessoires, elle ne signifie qu'en insérant ces éléments prévisibles, donc codés, dans le grand étalage de l'imaginaire. Malgré la profonde révolution du lieu d'échange, malgré les mutations techniques et sociales, c'est ainsi que l'iconographie narrative, où la bande dessinée prend sa force, s'articule et fonctionne. Les signifiés intentionnels, équivalence du récit, euh, rhétorique, persuasion, pédagogie, contrôle du plaisir, sont repris et englobés dans ce qu'il faut appeler un délire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Délire, c'est quoi Délirer, c'est produire, ne pas pouvoir arrêter le flux de production du sens là où les moyens vous manquent pour l'étayer sur des conventions. Donc c'est produire à partir de réelles conventions, des conventions nouvelles pour interpréter à l'infini ce qui se passe autour de vous. Délirer le monde, c'est produire une quantité de sens inarrêtable, un flux inarrêtable de sens devant des événements sur lesquels vous n'avez pas d'empire. On dit également que dans la psychose, délirer c'est guérir, en tout cas c'est un chemin vers la guérison. Des conditions perceptives règlent le peuplement de la surface. La représentation, dans chaque culture, modèle en règle et loi, ces conditions sont quasi universelles dans une relation projective au-dehors de l'expérience. En revanche, la construction iconographique repose sur une gigantesque anaphore, sur le perpétuel renvoi au déjà montré après le déjà dit. Alors, l'anaphore, euh, vous connaissez sans doute, hein, c'est une formule de rhétorique qui justement travaille sur la, la répétition. Je pense que vous voulez une anaphore connue, euh, très célèbre. Euh, euh, je vous en trouve. Euh, Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Voilà, typiquement ça c'est une anaphore avec Paris, Paris, Paris qui revient inlassablement dans le discours de la libération euh, du euh, des petits pères de Gaulle. Donc la force, c'est ça, c'est une figure qu'on peut traduire dans tous les arts, au fond. Hein, euh, y a, vous pouvez faire de l'anaphore en musique, euh, vous avez les leitmotifs musicaux, vous avez les, euh, la répétition des, des accords, ça peut être un refrain. Et puis, bon, bah, vous pouvez aussi produire de l'anaphore, évidemment, dans les images, avec des, des détails répétés. Et là, en l'occurrence, un détail culturel et historique, c'est l'iconographie, donc comme production anaphorique euh, dont nous parle Alain Ray. Les attributs des dieux et des saints, les repères mythologiques renvoient à leurs apparitions antérieures, à travers elles, à leur genèse textuelle. Ils se figent et s'imposent par la répétition. Ils vivent malgré le changement. Comme ça, vous pouvez reconnaître une Sainte Barbe, euh, qu'elle soit peinte au XIVe siècle, au XVe, au XVIIe, euh, ou que ce soit une sculpture, une peinture, parce que ces attributs seront toujours présents et vous diront « Ah, c'est Sainte Barbe, elle a sa petite tour dans les mains, c'est elle. Si c'est Sainte Lucie, eh bien, elle aura ses yeux sur un plateau, etc. etc. » Donc, c'est la fonction de l'attribut qui maintient un fil conducteur, si vous voulez, dans l'histoire, entre les images. Plus et mieux ils fonctionnent, moins ils informent. Dans la mort de la signification, ils se dégagent en pure figure. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure hein, par rapport à, eh ben, au devenir un lieu commun, finalement, jusqu'à la poéticité elle-même hein, que, bah, que la normativité menace. D'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, il euh, n'y a pas de raison d'imaginer qu'il euh, y ait des productions, des discours qui puissent échapper euh, à, à leur fixation, à leur rigidification en lieu commun. À un moment, ça peut arriver. Avec le fameux synthétiseur, toujours avec son clavier. Bravo, Solarius, qui, je vois, suit. Il a vu syntaxe sur un chapiteau. Bien voir que tu suis. Bravo. Euh... Or, l'illustration des rhétoriques, qu'on songe au frontispice allégorique de l'âge classique, la mise en image du fragment textuel, enfin, la, la condensation en tableau d'un récit effectif ou implicite, suppose un fonctionnement Allusif. Couvrant les structures nécessaires, un très robuste code est requis. Cette économie est obligatoire. Apparentée à l'illustration, au dessin d'humour, à l'image récit sans langage, la bande dessinée en a rebrassé les éléments en une synthèse vue un par insistant sur l'utilisation délirante des iconographies. Donc pour lui, les bandes dessinées font plus que jamais délirer, euh, donc faire dériver l'essence sens hein, des iconographies. Tenu par son rapport au texte typographié, l'illustrateur déplace son imaginaire dans une allée ou dans un labyrinthe. Donc il parle là hein, des illustrateurs qui font des images en vis-à-vis -vis, euh, des textes texte typographiés. Toujours lié à la direction du discours par déviation définie, angulaire. Par cette géométrie vectorielle, comme tout adaptateur, il peut trahir le texte, le tirer ailleurs, comme il est tiré et conduit par le texte. Je réciproque sur des limites préalables. En outre, l'illustrateur segmente. Il fonctionne comme le lexicographe et comme le moraliste par interruption et fragment. Évidemment, l'illustrateur, par la construction même des livres dans lesquels il se trouve euh, invité à produire des images, opère. D'étranges coupes, des fois des coupes qui sont segmentantes et rassemblantes, faisant des condensations à certains endroits. Salut Quentin Donc, euh, à cet endroit-là, on comprend à quel étrange régime de relation l'illustrateur se trouve hein, dans son travail devant un texte. Il crée un type de rapport qui est rapport de lecture, certes, puisqu'il faut qu'il lise le texte pour commencer à l'illustrer rapport analytique, mais c'est une analyse très étrange, une analyse flottante, une analyse compositionnelle. Salut Suze. Un rythme se greffe sur celui de la syntaxe. C'est une flocculation. Euh, la, la flocculation, c'est... Euh, par exemple, quand vous avez des, des allusions dans la flotte, c'est un... Processus d'agrégation des particules en suspension dans l'eau, et on appelle les flocs les résultats. La floculation fait des flocs. Je ne peux pas vous dire mieux. L'édition Kermer de Paul et Virginie conduit le système à ses limites. L'illustrateur y descend dans le texte. Le tableau étalant le fragment diégétique ne suffit plus. Dans le diégétique, hein, c'est ce qui est relatif à ce qui est dit, ce qui est raconté. Arrachant les personnages au décor, l'artiste prend prétexte d'une phrase, d'un syntagme pour en graver l'équivalent possible. C'est clair, il se dirige vers le mot. Alors, moi, je ne connais pas l'édition Kürmer de Paul et Virginie, mais visiblement, le, le, le graveur ou la graveuse va vraiment tirer le texte par une élémentarisation maximum. Je ne sais pas si on peut trouver ça euh, en ligne, on peut essayer de voir ça, si on peut trouver des, des illustrations. Euh, édition Kürmer de Paul et Virginie, voyons ça. Alors, hop, allons-y. Édition, Turmer. Paul et Virginie. Hop, j'ai qu'un doigt pour taper. Comment ça vaut C'est À la VNF, le propose. Donc, on va peut-être pouvoir regarder ça ensemble. Alors, comment il fonctionne Ah oui, il y a vraiment des inserts dans le texte. Euh, Est-ce qu'on a l'ensemble ou on a juste un petit bout Léon Curmeur, grand éditeur romantique, a donné ses lettres de noblesse euh, au roman illustré. Paul et Virginie est une de ses œuvres maîtresses avec les Français peints par eux-mêmes. L'édition du roman de Bernardin de Saint-Pierre ne comporte pas moins de 500 illustrations, gravures sur acier ou taille douce en hors-texte, sans compter de nombreux bandeaux, encadrements, lettres ornées, gravées sur bois de Alors Le bois de boue, euh, c'est quand vous utilisez le fil du bois, euh, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Peux... Ah, je sais ce que je peux vous montrer. Bon, vous allez voir du bois de boue, je vais vous montrer. Parce que là, j'ai plus de plaques à graver, mais j'ai autre chose. Alors là, je vire un peu l'écran et je vous montre ça. Voilà, ça, c'est ma table à découper. Bon, évidemment, elle est japonaise, donc c'est plutôt du bambou. Mais peu importe, ça vous montre bien comment on construit le bois de c'est-à-dire des orientations par petits segments collés de bois pour la gravure. Euh, ça rame. Ah, je suis désolé, c'est parce que j'ai été en ligne chercher le bazar. Peut-être que ça a ramé, ouais. Le bois de boue, c'est le truc qui fait bonder. Salut Narcisse en douille, euh, donc <laughs> ça vous permet en gravure d'éviter euh, le danger que représentent pour vous des, des fils de bois qui pourraient entraîner votre gouge et faire des, des, des dérapages euh, fréquents. Grâce à, à l'orientation alternée comme ça euh, du bois debout, et vous pouvez vous trouver tout simplement avec le, la, la gouge peut être arrêtée dans le fil du bois et vous avez l'assurance comme ça d'une meilleure tenue de la gouge tout au long de la taille. Voilà, c'est ça le, le bois debout. J'ai été déposé ce bordel, puisqu'on ne va pas non plus durer là-dessus. Donc, on va essayer de regarder un petit peu ce machin. Alors, le, le bouquin dont on parle, dont dans, il dans est question, le Paul et Virginie d'édition Curma, c'est une œuvre collective rassemblant les plus grands dessinateurs du temps, Messonnier, c'est un pain de pompier abominable et drôle, Français, Tony Joanneau, Isabelle, Paul d'accord, Marville, Stan Hale, et aussi des artistes anglais. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Alors, on ne va pas trop rester en ligne parce que, euh, visiblement, ça rame pour vous, donc euh, on va essayer d'éviter. Euh, il semble que la BNF ne l'ait pas donné en entier. On a le texte intégral sur Gallica, alors on va voir si ça fait ramer. Si ça fait ramer, on arrête tout. On ne dirait pas trop. Bon, écoutez, ça a l'air de passer. On va pouvoir regarder un petit peu le bazar. Comment ça a été composé? Ah, je croyais qu'il y avait plein d'illustrations. Alors, elles sont où? <laughs> ça fait une heure que tu es là et tu viens juste pour parler de bander. Ah, bah bravo, narciste! <laughs> On n'avait pas encore eu de remarque graveleuse, donc ça manquait. Ouais, je suis déçu, hein. je pensais qu'on allait être envahi par les illustrations et. Elles sont où Bah, j'en vois pas, moi. Hein. Ah, il se passe quoi C'est peut-être l'Inkipit euh, ou le. Ah, voilà. Bah là, on voit là le texte. Là, mon propos, on s'en fout. Ok, on va avoir quelques illustres là. Ah, d'accord. D'accord. Donc chaque page pratiquement est, est touchée par, euh, par du texte. Par de, des images, pardon. Sont prises dans le texte. D'accord. Il vient saisir, donc euh, les illustrateurs vont saisir des petits éléments. Donc je pense qu'il doit y avoir une direction artistique générale. Hein. C'est marrant, l'argument plastique des des, comment, des illustrations est assez troublante. Par exemple, il n'y a pas de, de filet maintenu entre les insertions des, des illustrations et le corps du texte. Vous voyez, il y a un désir assez étonnant de le faire coller, ce qui donne l'impression d'une insertion presque typographique finalement. Il n'y a, a, a pas de recul possible, et ça c'est effectivement pas banal. C'est un choix étonnant. Bon après le, le dessin est quand même plutôt moche. Ça reste un peu dégueulasse, mais bon, euh, mes sonniers donnent le ton. Hein. D'accord. Ok, bon bah écoutez, on a vu un petit peu ce que ça donnait. Euh, le pôle et Virginie des éditions Kurmer. Donc l'illustrateur conduit le système à ses limites. C'est assez intéressant et je vois où, va en, où veut en venir notre alarme, c'est de voir à quel point ces limites, finalement, les limites de l'illustration, par le type de va-et-vient qu'il instaure, produit finalement une profonde séparation. C'est-à-dire que même dans, euh, comment, même dans ce dispositif produit par, par cette édition Kermer, on comprend que les illustrateurs sont acculés d'une certaine manière à essayer de, de trouver des moyens par lesquels on tenterait de réduire. Euh, la distance entre entre texte et image comme une sorte de collaboration. Pour autant, il y a la rupture de ton est permanente, et évidemment, dans votre lecture de Paul et Virginie, pour peu que vous ayez envie de lire ce livre un peu fatigant, eh bien, euh, vous allez sans cesse être interrompu. Il n'y a pas de cohabitation réelle, c'est-à-dire, il n'y a pas un verbe qui serait adéquate à la situation. Vous n'êtes pas en train de lire-regarder comme on pourrait lire-regarder une bande dessinée. Vous êtes en train de lire, puis de regarder, puis de lire, puis de regarder. Donc, pour, euh, pour Alain Rey, il ne fait aucun doute que les illustrateurs se dirigent vers le mot. Dès lors, une folie analytique devient possible. Elle est toujours nécessaire et inaccomplie. La condensation la plus forte est impraticable dans la culture d'où j'écris. Ma logorée occidentale la dissout. Mais le haïku et la figuration du microcosme s'équilibrent dans la tradition japonaise. Par la calligraphie, plus profondément, le mot lui-même se colle au caractère, acquiert la figure, réalise à l'œil le spasme sémantique, projette le désir, condense l'instantanéité du poétique sans perdre le sens commun, dépôt, histoire. Bon là, je pense qu'on a clairement... L'œil d'un occidental qui, qui fantasme un petit peu euh, une espèce de condensation maximale euh, de la, la calligraphie euh, avec le figural. Et je parle du figural du corps, hein, je ne parle pas euh, de, de. Par exemple, dans, la, dans les calligraphies arabes, le, le texte peut prendre sur lui une organisation plastique figurative. Je ne parle pas de ça. La question, et c'est toujours celle du corps. On a bien compris que quand il parlait de la disparition d'une certaine présence de la subjectivité, il parlait bien de ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand je parlais du ductus, c'est-à-dire le, le moyen par lequel on reconnaît tel ou tel scripteur dans sa façon de tracer une lettre. Et pour lui, la calligraphie, et je pense que ça repose beaucoup sur un illusionnisme culturel qui serait de la plus-value figurante de l'idéogramme, qui reste quand même largement à questionner et euh, qui est aussi, je dirais, une certaine naïveté. Euh, ce, qui, ce qui me fait dire que c'est vraiment assez naïf, c'est que notre, euh, notre Alarais est très contemporain de mouvements artistiques, euh, très gestuels, très, très fréquents dans les années euh, qui sont les siennes, les années euh, 60-70. Euh, des gens comme De euh, d'autres monts euh, vont beaucoup. Euh, laisser supposer que par une certaine façon, et d'ailleurs ils appellent eux-mêmes leurs leur tableaux, leurs dessins des graphes, que par une sorte de mimique, de singerie de l'écriture et beaucoup de la calligraphie japonaise, plus ou moins bâtardisée ou bizarroïdisée, occidentalisée, dessinisée, tout ce que vous voulez, euh, qu'on va se rapprocher d'un régime qui maintiendrait tendu le fil entre écriture et peinture. Évidemment, c'est une source inépuisable de malentendus. Bon, ça va pas être l'objet de ce soir. C'est un, un, truc qu on pourrait, comment, euh, dont on pourrait parler euh, ensemble si on faisait un live consacré à ça. Il hein, y a eu des, des grandes expositions. Il y en a eu à la Ville Arson qui s'appelait "Écriture dans la peinture". Il y a eu la, la grande exposition "Poésure et peinture" qui repose beaucoup sur cette naïveté, en fait, euh, ce qu'on pourrait appeler une naïveté du signe, si vous voulez. Ce n'est pas une tradition de cheval, c'est une tradition des japonais. Bravo, Suzanne. Alors, mon Dieu. Euh, loin de cette expérience unaire, notre Extrême-Orient recourt aux combinaisons louches. Il invente des histoires contre l'histoire, les peuples de personnages où la mythologie des travailleurs en miettes puise ses héros projectifs. La bande dessinée est faite pour l'étalage de ces mannequins explosifs Toros des Fuego de, de l'inconscient euh, collectif. Alors, il, euh, il laisse supposer euh, que finalement, et je crois qu'il se trompe pas en moins sur ce point, s'il y a un lieu où la question euh, de la figure vient retravailler toutes les conditions euh, d'apparition des signes à la surface de, du papier, jusqu'à toucher l'écriture elle-même, c'est bien les bandes dessinées. Elle fonctionne énormément là-dedans. C'est-à-dire que, dans une bande dessinée, le dessin écrit et l'écriture dessine. Il y a une, une consubstantialité, finalement, de mouvement, au moins de corporealité, ça c'est indéniable, puisque ça c'était la question d'Alain Array, qui fait que, sans cesse, L'établissement d'un certain type de rapport à la ligne, à la masse et à leur cohabitation fait que le texte va être support lui aussi de figurativité potentielle. Il y a clairement une poétique des corps qui va se dégager de la graphie, raison pour laquelle j'invite inlassablement euh, mes élèves en bande dessinée et quiconque veut se lancer dans les bandes dessinées à lâcher l'idée médiocre entre toutes de produire euh, votre texte euh, de façon typographique avec un ordinateur. Ça n'a pas d'intérêt du point de vue des bandes dessinées, sinon le, le pire du monde que vous puissiez avoir comme argument, c'est-à-dire les fameux intérêts pratiques. Euh, la dernière chose qui doit vous soucier quand vous produisez des œuvres d'art, c'est évidemment le caractère pratique de vos activités. Donc, si vous faites ça, c'est comme si... Euh, vous amputiez vos bandes dessinées d'un membre, finalement. Euh, sinon, il parle de Tauros de fuego. Je, je suis pas sûr que ça vous plaise beaucoup, cette idée. Euh, Narcisse, euh, bouche tes petites euh, oreilles de vegan. Tu vas souffrir plus que tout le monde euh, sur cette chaîne. Toutes les âmes sensibles qui ne savaient pas ce qu'est le taureau de fuego ou le taureau de feu, au secours. Hein. Euh, c'est un spectacle de fête taurine en Espagne. Euh, on attache, euh, j'allais dire on attachait, mais c'est n'est pas vrai, il y a encore des régions, je crois, où ça se pratique. On attache aux cornes du taureau euh, une espèce de cadre hein, euh, sur les cornes avec des boules de matière inflammable. Donc, il y a un cadre de bois fixé sur les cornes avec des tiges de fer. On met des boules inflammables euh, à leur extrémité. Donc, c'est du tissu qui est imprégné de résine. Et euh, donc, on allume ça on coupe les liens du taureau et il est lâché pendant une heure la nuit tombée dans les rues de la ville et les festivaliers doivent donc esquiver le passage du taureau des fuego donc la bête évidemment est terrifiée elle est aveuglée elle peut d'ailleurs rester aveugle à la suite de cette opération si elle ne crève pas avant et évidemment il ressort brûlé de cette aventure épouvantable voilà pour le taureau des fuego Euh, loin de cette expérience, pardon. les bandes les plus célèbres s'entortillent autour d'un nom. La figurine appelée en est le noyau mythique et l'objet fétichisé. Donc là, on va toucher à un élément qui est central, je dirais au minimum, de la genèse de l'histoire de notre discipline, de l'histoire des bandes dessinées. C'est la, la figure du héros, même s'il n'est pas héroïque, c'est juste l'habitude de la création d'une figure centrale. A une fonction aussi, c'est qu'autour d'elle, d'une certaine manière, vient s'enlacer tout le processus de récurrence de tout le reste. C'est-à-dire qu'on construit, euh, comment. On, on, on peut voir, si vous voulez, le, la figure du héros comme l'idée même qu'il y ait une régularité générale du processus de dessin et d'organisation des pages, comme s'il portait sur lui, finalement, toute la grammaire productive des conditions du dessin. Il est un peu plus, si vous voulez, qu'un personnage. Il est aussi, d'une certaine manière, le personnage du dessin, c'est-à-dire qu'il entraîne en tant que dessin toutes les conditions euh, propres euh, du dessin pour établir les règles d'organisation de celui-ci. Euh, je, si ça vous intéresse, cette question, euh, j'écris un petit texte euh, consacré euh, à la question de la modernité en bande dessinée qui s'appelle Depuis ce trou noir duquel naquit Chris Ware et qui part d'un élément euh, fondateur finalement de la modernité euh, en bande dessinée qui vient euh, prendre ses, sa source euh, dans la cinématique, c'est-à-dire dans le cartoon, pour faire exister un certain type de règles. Autour d'un objet qui m'intéresse particulièrement, c'est la pastille noire qui forme l'œil de Mickey Mouse, et qui peut devenir le puits des conditions de réalisation en fait du dessin par lui-même comme euh, matrice fonctionnelle continue de euh, l'organisation de celui-ci. Donc la figurine appelée en est le noyau mythique et l'objet fétichisé. Tarzan, Donald, Mandrake, Asterix, Superman. Ne diffèrent que par leurs structures internes. En tant qu'objet-signe sur le marché culturel, ils se valent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, la question de la reconduction iconographique, puisqu'il est un peu question de ça, hein, elle va fonctionner finalement autour de cette figure centrale. C'est-à-dire qu'elle fonde finalement son usage culturel en apparaissant. L'iconographie recourait à des références textuelles pour faire apparaître euh, telle ou telle image, comme les attributs des saints euh, euh, permettaient euh, de faire apparaître en quelque sorte un saint. Là, vous peignez n'importe quelle figure euh, de, de martyr, vous lui rajoutez euh, une, une roue et c'est Sainte-Catherine. Euh, mais la référence, c'était une référence scripturaire, c'est une référence textuelle. Là, les héros sont porteurs d'eux-mêmes et sont porteurs de la garantie finalement d'une iconographie dont ils sont le centre. Et à la fois la machine de production plastique. Cette constance fonctionnelle demande une extrême stabilité iconographique. D'un peintre au l'autre de style en style, Hercule et Saint-Pierre, Suzanne et David acquéraient et perdaient leurs attributs. On leur inventait des visages, des corps, des gestes étonnés, recouvrant le déjà connu de leur histoire. Donc on partait toujours d'un déjà connu historique. Les grands fantômes culturels ont ainsi des mues étonnantes. Le juif oriental Jésus a récupéré récemment des traits ethniques à peu près compatibles avec les textes où il surgit. Au XIXe siècle, et notamment dans l'intéressant avatar sulpicien des représentations chrétiennes, le voilà blondi, mince et doux, mine d'Arien en train de passer la ligne. Le coussinet rouge du Sacré-Cœur, on dirait qu'il cache un passeport suédois pour rassurer les anti-dréfusards. Donc on a une petite critique acerbe de l'art sulpicien et sur ce, je vais très rapidement faire pipi pendant que vous allez vous lâcher dans les calembours. Et voilà! Donc, cette pipite plus rapide de la Terre. L'histoire des représentations, éclairées par leurs secrets ou indiscrets mobiles, révélerait bien des soubresauts visuels, des trahisons d'objets, des frégolisations subtiles. Rien de tel dans la bande et dans le cinématographe. Il a écrit cinémitographe, mon Dieu, arrête les calembours. A observé que les grands personnages comiques construits à physique, vêtements, accessoires immuables, peuvent être objets de films et de récits en images. C'est le cas de Charlot, de Laurel et Hardy. Inversement, à vouloir faire incarner par des comédiens l'iconographie des Pieds-Niclés ou de Tintin, on obtient des résultats insupportables. Alors, évidemment, il y a peu de chances que ça fonctionne. Hein. Euh... Bon, vous avez tous et toutes déjà vu d'abominables tentatives de, de faire jouer par des acteurs euh, Tintin. Il y en a eu quelques-uns assez notables dans les années 60. Alors, moi, je n'ai pas vu de pieds nickelé, mais j'imagine quand même le pire. Il n'y a évidemment aucune raison que ça fonctionne. Parce que si ça fonctionnait, ça voudrait dire que le dessin est indifférent et que, somme toute, une bande dessinée n'est que l'illustration d'un texte. Et ça n'est pas du tout le cas. Seul le cinéma d'animation peut sauvegarder le passage d'un médium vers l'autre. Encore, les différences structurelles s'y montrent elles-mêmes par l'échec, sauf à instaurer un produit industriel double et conçu pour l'être, la fabrique de Disney. Ce n'est pas qu'un problème industriel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres médiations qui s'y jouent. Il y a une porosité sur les enjeux, à savoir des enjeux de coïncidence problématique à certains endroits du récit, qui vont trouver effectivement une acclimatation technique à un certain endroit, et ensuite produire des justifications plastiques à un autre, ou plutôt des matrices visuelles qui sont des héritages finalement de conditions de réalisation dans lesquelles ils n'ont rien à faire. Et ça, c'est un mouvement double qui fait que cartoons et bande dessinées ne vont pas cesser de se passer le relais d'inventions plastiques qui, certes, ont trouvé des justifications à exister à tel endroit, par exemple à la raréfaction disons des doigts par exemple pour faciliter l'animation des mains, peut devenir un élément assez structurant finalement de toute une, une mythographie intéressante euh, des figures et des personnages pour produire à cet endroit-là un autre rapport à l'imaginaire. Alors ça te rappelle certains auteur de BD qui a dit qu'il faisait de la BD car c'est le cinéma du pauvre. Ouais, ça, doit, ça ne peut que donner euh, de, la, de la BD du pauvre également quand on a aussi peu confiance dans la puissance de, euh, de sa discipline. Hein. Alors, Tintin en BD ou en film, de toute façon, c'est nul, diffuse. Euh, je partage, mais c'est un peu rapide à dire, on va pas parler ici d'Hergie ce soir, mais bon. La construction d'un personnage resserre les dispositifs de chaque style graphique. Ainsi, s'opposent plus nettement que dans paysage ou objet, les deux tendances toujours à l'œuvre. Esquisse cernée, plate, aux courbes assumant l'intention expressive par la déformation du monde, s'opposant au pseudo-réalisme des héros projectifs répulsifs, inscrits en trompe-l'œil dans la trou effective des lignes de fuite. Alors là, ça laisse supposer quand même une unité euh, générale euh, des euh, composantes plastiques dans l'histoire de notre discipline, et au fond, c'est très drôle parce que à l'arrêt à une grande culture des bandes dessinées. Il l'a prouvé puisque euh, on a vu avec lui euh, certains créateurs. Mais en fait, il ne rentre pas du tout dans le cadre de cette description. C'est-à-dire que la... c'est comme si l'idée qu'on se faisait des bandes dessinées venait s'interfacer entre notre œil et elle pour juger de leurs conditions de production des images. On finit par croire dans les histoires qu'on se raconte, à savoir que la bande dessinée, effectivement, serait globalement linéaire, etc. Mais dans les faits, si vous observez réellement les bandes depuis leur origine, vous verrez que le foisonnement des choix plastiques très très différents cohabite dès l'origine. Vous avez euh, en gros du petit trait tremblé et simplifié au maximum. Euh, de top faire du début, vous avez euh, des cohabitants euh, qui vont euh, assez rapidement faire des bandes dessinées de, qu'on pourrait qualifier de, comment, de de pompières, assez vite, c'est le cas de Foster, enfin, et euh, le cas de Winston McKay aussi, mais on en parlera sûrement un peu plus tard. En jouant entre les registres, certains créateurs renoncent à constituer le cristal iconographique, sacrifiant le mythe à la lucidité de l'art. Les organisations plastiques se répandent dans tout l'œuvre. Maquet et Riemann, aujourd'hui Crumb ou Crépax, confèrent à leur moindre figure une place égale dans le code graphique. D'accord qu'il le dit lui-même. Par quoi aussi, ils les rétablissent en syntaxe et les préservent de bondir hors du papier pour envahir une scène sociale. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là par... En gros, hein, par cette... Euh, comment dire La force affirmative des conditions qu'il qu appelle ici en gros conditions d'artisticité mais qu'on pourrait dire nous euh, tous les modèles euh, toute la richesse des modèles de subjectivation plastique donc il peut épouser je dirais, tous les désirs de dessiner possible et, et imaginables euh, donne des chances dit-il de, euh, de préserver enfin les, les... Attends, il les préserve de bondir hors du papier pour envahir une scène sociale. Qu'est-ce qu'il entend par là en fait En quoi ce jaillissement, cette prolifération de propositions plastiques euh, les préserve de bondir hors du papier pour envahir une, sociale, une scène sociale Du pur dire ou du pur discours Est-ce que c'est ça qu'il est en train de nous dire Que la tenue au papier des Paris, qu'il appelait Paris esthétique tout à l'heure, euh, les empêcher de devenir des purs indices iconographiques. Je crois que c'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est que, je vois, il partait du principe qu'il pouvait y avoir une condition originale, vaguement iconographisante, mais que la bande dessinée, d'une certaine manière, faisait délirer. Et qu'en créant les héros, elle institue en nouvelles conditions de l'iconographie chacun d'entre eux, chacune de ces figures portant en elle-même la possibilité d'une espèce de Nouveau creuset iconographique, mais assez autonome. À partir de là, l'espace des livres dans lesquels elle se déploie est un espace où la possibilité du dire ne peut plus habiter qu'à cet endroit-là. Elle ne peut pas devenir une simple convention qui viendrait envahir la scène sociale. Ces personnages, par leur affirmation, perdent le devenir social euh, de toute convention iconographique. Donc euh, je crois que c'est ça qu'il essaie de nous dire. Pour le différencier mais très très brutalement euh, comme une manière tranchée et claire de toutes les propositions habituellement iconographiques dans lesquelles d'une certaine manière le régime de l'iconographie vient euh, rendre inlassablement réutilisable, fonctionnel et donc socialisé euh, les supports de discours indifférents aux formes qui les portent. Là l'espèce d'autonomie des euh, organisations iconographiques que représentent les figures de héros interdit ça et donc les préserve de bondir hors du papier pour envahir la scène sociale je crois que c'est ça qu'il faut piger D'accord Donc on va quand même regarder un peu les auteurs dont il parle. Il parle de Mackay, de Herryman et de Crepax. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on va regarder un petit peu. Alors Mackay, je vous en avais déjà montré, donc on peut aller un peu vite. Hein, c'est Little Nemo. C'est euh, la bande dessinée, donc fin 19e, toute fin ou tout début 20e. Je crois que c'est... Est-ce que ça commencerait pas en 1903 Je sais plus, j'ai plus les dates. en 1903 ou 1905, attendez. Donc euh, on... Euh, Winsor Mackay a commencé un peu avant avec d'autres bandes, mais je crois que Little Nemo c'est un petit peu plus tardif. Donc voilà, c'est ça qu'on a les grandes belles pages de Little Nemo. Là on voit bien euh, que euh, comment euh, Winsor Mackay dialogue avec les artistes euh, de son temps. Hein, on voit beaucoup dans le travail de Winsor Mackay la présence de l'Art nouveau qui lui est contemporain. Salut Minamia Je vous en avais montré un peu, mais je peux vous le montrer encore un petit peu. MacKay va énormément <coughs> travailler à produire des espaces, euh, je dirais, qui portent en eux toute l'ambiguïté des questions qu qui sont posées ici, à savoir l'ambiguïté du statut de certains éléments qu'on pourrait appeler des éléments d'une certaine régularité, d'une certaine légalité des bandes dessinées, et qui peuvent devenir à l'intérieur des pages euh, des éléments constituants de la narration. Euh, des, de la case, euh, le contour, le phylactère, vont commencer à jouer d'une espèce d'autonomie, de, 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 euh, d'individualité, susceptible de les réinjecter comme faisant partie du vocabulaire narratif des bandes dessinées. Euh. C'est vrai également pour euh, le, je dirais, les dispositifs techniques, ou certains aspects de la technicité même de la mise en couleur, comme ici par exemple ce qu'on appelle le fameux bleu, si ça vous intéresse je pourrais vous expliquer ce que c'est, qui à certains moments peut être révélé, ce qui permet de créer des espaces de profondeur, jouant sur le, bah, les modalités techniques même hein, de, de la mise en couleur. Si vous voulez voir l'effet Art Nouveau, je crois qu'il est rarement aussi sensible que sur ce type de planche. Salut Super Dodo Alors, encore un petit bout de Windsor-McKay. Et donc là, euh, ce qui peut sembler intéressant, puisqu'on est aussi en train de se questionner sur euh, bah, les conditions d'apparition plastique euh, de, de la figuration, très clairement, chez Windsor-McKay, les figures sont assujetties à, euh, au cadre conditionnel de la mise en case. Et euh, subissent inlassablement la contrariété de formes proposées par le jeu des cases elle-même, qui va infléchir soit des mouvements propres euh, aux figures contraintes écrasées, comme autrefois euh, le jugement dernier dans le tympan de l'église de Conques, par exemple, eh c'est quelque chose qui est très fréquent chez lui, mais également les dynamiques. De, de construction narrative vont euh, faire de euh, la construction des cases un argument supplémentaire pour produire ben, les formes d'itérativité, euh, les formes d'illusionnisme cinématique, de mouvement, de vitesse, de contrainte, de chute, etc. Bon, les auteurs et autrices de bande dessinée vont beaucoup jouer avec ça dans, dans le siècle qui suivra, mais en, sur ce point-là, on peut dire que Windsor McKay est clairement un large pionnier, sinon the big pionnier de toutes ses inventions. Bon, je ne vous les fais pas en détail. Je vous invite évidemment à vous plonger euh, là-dedans. Il a parlé aussi de Eriman. Bon, Erryman, je vous en ai brièvement parlé, donc je vais vous remontrer un tout petit peu. Donc Eriman est surtout connu pour... Euh, Crazy Cat c'est un peu plus tardif on est dans les années 20 ce sont des bandes dessinées avec des sujets euh, assez insaisissables assez étranges euh... des univers euh, fantasques et euh, fantastiques où les rapports euh, euh, de force entre les personnages sont sans cesse changeants euh, fébriles, insaisissables les rapports de genre aussi sont plutôt fluctuants dans les bandes dessinées d'Eriman c'est Tout à fait passionnant, donc c'est Krasikat avec cette espèce de plume un peu sèche, un peu aride et très vive pour autant, dont on a l'impression qu'elle vient se casser à la surface du papier à chaque fois qu'il dessine. Salut à comme c'est gentil, merci pour, le, pour le, le raid. Bienvenue à tous et à toutes. On était en train de regarder les belles planches de Herryman dans 4. J'allais faire un petit tour de, de présentation de planches après. Euh, un long euh, déroulement sur les conditions euh, de l'iconographie propre des bandes dessinées de quoi vous parliez chez toi ce soir bon, bah, si quelqu'un peut faire un petit euh, shout out pour agora et sa très chouette chaîne hein, j'espère que tu vas bien Ici ce soir donc, on va parler euh, on est en train de parler hein, depuis euh, un petit moment depuis une heure et demie on est en train de causer euh, de bandes dessinées évidemment mais surtout de théorie des bandes dessinées et là on était plongé dans les années 20 avec le crazy 4 de george Herriman. Et euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la chaîne, je peux vous présenter un petit peu ce qu'on y fout, parce qu'il y a beaucoup de choses très très différentes ici. Donc tant qu'à faire, autant vous en parler rapidement. J'ai fait une présentation euh, exprès. Donc vous voyez ça, vous faisiez une lecture d'articles politiques. Mais ici une lecture aussi ce soir. Politique, elle est forcément, évidemment, à plein de moments, mais beaucoup moins directement, et j'imagine, que ce que vous lisiez ce soir. Donc voilà ce qu'on fait sur cette chaîne. Bonjour le raid, et bienvenue sur cette chaîne dont le programme reflète assez clairement le chaos qui règne dans la tête de son streamer. On y parle évidemment de bande dessinée, mais aussi de théorie de l'art, de critique d'art, d'histoire de l'art, de politique, de folie, de science, de sociologie, de philosophie. On y dessine, on y sérigraphie, on y peint, on y lit des poèmes et des récits, on reçoit des historiennes de génie, des auteurs incroyables, des éditeurs inouïs, des biologistes éboustouflantes, de dangereuses agitées du bocal, et tout ça avec de la politique dans la science, de l'art dans la politique, de l'histoire dans l'édition, de la poésie dans la danse. Installez-vous confortablement, suivez la chaîne et on y va. Et voilà, vous savez tout. <laughs> Merci pour le follow, tout Donc bah, bienvenue en tout cas au raid d'Agornashi. Merci encore camarade, c'est très très gentil. Donc je vous présentais moi à ce moment-là, c'était la petite pause. On regarde des belles images. Donc voilà les plans de Crazy Cat. Qui joue inlassablement donc des, des, des jeux de, de tension entre un tout petit nombre de personnages essentiellement trois hein, un chat une souris et un flic particulièrement teubé le chat est une créature tout à fait extraordinaire et indécidable dans Crazy Cat dont le genre n'est pas fixé peut changer au, au gré au gré des récits et Berryman euh, va aussi travailler de façon assez subtile des rapports alors sur la question des conventions, c'est très intéressant. On évoquait donc les, les régimes de légalité dans lesquels peut s'installer, voire s'instituer hein, euh, la narrativité dans une bande dessinée. Une des questions qui est évidemment intéressante à, à l'intérieur de la construction d'une bande dessinée, c'est qu'est-ce qui est absolument nécessaire de conserver, qu'est-ce qui peut être écarté euh, pour que soient maintenues les conditions du discours, les conditions du récit. Merci pour le follow Ulrich, c'est très très gentil. Eh bien euh, chez lui, par exemple, le décor n'est jamais rien d'autre qu'une espèce de monde filaire et fugace. C'est-à-dire que e. Man est parfaitement conscient que le fait de devoir se plonger dans un récit dans lequel, une, ici, chez lui, il y a beaucoup de textes. Bon, le texte n'est qu'une. Euh, série complètement. Euh, Auxiliaire dans une bande dessinée, il n'est pas nécessaire. Hein. Une bande dessinée, c'est pas du tout une combinaison de textes et d'images. Euh, parmi les toutes premières bandes dessinées de l'histoire, il y a les bandes dessinées 40 qui sont toutes muettes. Donc, euh, il n'y a pas besoin de texte pour dire qu'on a affaire à faire une bande dessinée. Il y a un substrat euh, énonciatif. Pas forcément narratif, mais en tout cas quelque chose qui fait jouer des opérateurs de durée de façon plastique et donc constitue du temps à l'intérieur d'une page avec des stations. Euh, on ne peut pas vraiment dire des moments, c'est plutôt des états du temps avec une certaine porosité entre ces états. Raison pour laquelle je ne vais pas vous parler euh, d'un instant et à peine d'un moment, mais plutôt d'un état du temps à, à l'intérieur d'une page et euh, ces différents états évidemment vous plongent dans un rapport assez immersif à cette activité de lecture qui est très très particulière on, dit on, on pourrait dire qu'on lit regarde une bande dessinée on est en train de la lire regarder et puis du coup le décor au fond il a jamais eu autant euh, le sens du mot décor c'est à dire finalement d'être cette espèce de chose d'arrière-plan sur laquelle les figures apparaissent et au-delà euh, au-delà duquel l'importance se situe et chez lui, le décor n'arrête pas de changer, en dépit de toute espèce de rationalité euh, de l'espace. Donc, ça veut dire qu'il y a une autonomie de la construction des décors chez lui qui est assez incroyable. Donc, ça, c'était Krasikat, que je vous invite vraiment euh, à découvrir. De quoi nous parle-t-il encore C'est Georges Herriman, hein, donc plutôt les années euh, 20-30. Hein. Euh, il parle de Crumb et Crépax. On va sauter euh, complètement dans le temps. Crumb, je pense que vous connaissez tous et toutes, mais au cas où pas, Crumb euh, va, avec son frangin, avec qui il va euh, créer euh, comment, euh, un, un fanzine dans les années euh, 60, être un peu le, un des pionniers de, de, de l'avant-garde comment qu'on va appeler Underground aux États-Unis, qui représente une espèce de moment euh, charnière du passage à, à un âge adulte particulier des bandes dessinées, en tout cas une inscription des bandes dessinées dans les préoccupations immédiates du contemporain, il y a toujours une présence du contemporain dans les bandes dessinées, on en reparlera si on en parle de MAD tout à l'heure, mais euh, une urbanité particulière euh, des bandes dessinées, une conscience aussi générationnelle particulière, avec euh, aussi le bouleversement que les années 60 apporte politiquement à la société, pas seulement euh, en France avec 68, mais en fait dans le monde entier. Hein. Il y a l'équivalent euh, de ces sauts, euh, de ces sauts politiques au Japon, aux États-Unis, un peu partout. Donc, il crée euh, des, des bandes dessinées euh, euh, qui vont toucher des sujets euh, très euh, adultes, tordus. Euh, la drogue, il prend une grande place. Le, les rapports, euh, le sexe, prend une place extrêmement importante chez euh, Kram, qui qui euh, dont une bonne partie de l'activité consiste à la mise en case de, de fantasmes sexuels extrêmement crus. Euh, il y aborde toutes sortes d'autres questions sociales. La position politique de Kram est intéressante parce qu'elle est extrêmement ambiguë, donc évidemment très riche. Merci Magenta pour le follow. C'est ça qui est vraiment fascinant chez Crumb. C'est que à la fois il appartient complètement à cette génération de, qu'on pourrait dire de hippie. Il apparaît avec le mouvement freaks, et pour autant il sait en être un critique acerbe, hein, parce qu'il y a chez lui un côté de vieux con conservateur qui passe, qui en font fait un, un homme extrêmement déchiré entre des tentations complètement contradictoires. Ses personnages donc et ses récits sont parfaits. Pour comprendre et saisir toute la, la richesse de, de ce qu'est le mouvement underground aux États-Unis, avec ses contradictions, avec sa puissance, avec son dérèglement, avec sa brutalité. Et euh, je pense que, ouais, je crois qu'on a, a évoqué tout à l'heure, à, à l'entrée du live, avant que le live ne commence, euh, avec Mandrake, le, un documentaire de Terry Ziegloff sur Crumb, que je vous conseille quand même de voir est plutôt une réussite. Ziegloff est très intéressé par les bandes dessinées. Il a mis en, en film euh, comment un, un bouquin assez intéressant de Daniel Close. Euh, son rapport aux bandes dessinées est plutôt juste et euh, ce qu'il a fait sur Chrome est assez chouette. Donc vous avez des figures qui sont vraiment des figures euh, particulièrement ambiguës. Mister Natural, c'est l'image type du gourou foireux, euh, à la fois euh, aimable par le, son goût pour le sarcasme, mais complètement grotesque et scandaleux par d'autres. Ça, ça, donne à, je dirais, à, à Chrome une richesse de vue qui se trouve pas tant que ça dans les autres productions contemporaines qui sont si monopolistiquement hippies qu'au fond, elles oublient la possibilité de se regarder elles-mêmes dans leurs faiblesses. Ces faiblesses sont très présentes chez Chrome. Et même son côté de vieux schnock réac le rend finalement assez utile pour penser quelque chose et d'une époque et des bandes dessinées elles-mêmes. Et donc, il nous parle aussi de Crépax. Un ah, Crépax est tout à fait autre chose. Là, on est vraiment dans un, un moment de bande dessinée tout à fait extraordinaire. Donc, euh, Guido Crépax, c'est un artiste italien des années 60. Il y a tout un moment de la. De, de la bande dessinée avec, euh, avec Pellart euh, et, et tant d'autres, euh, comme euh, comment s'appelle l'auteur de euh, l'histoire d'examen Ah, j'ai un trou de mémoire, honte sur moi. Mais en tout cas, le, le rapport euh, immédiat à l'art pop est présent dans plein de bandes dessinées et développe un, un type d'imaginaire euh, à la fois euh, social et, euh, comment, euh, et euh, narratif assez étonnant qui va emprunter euh, des voies euh, à la fois euh, prises dans euh, la littérature, les représentations sociales euh, du moment, les, euh, les angoisses aussi euh, de, de générationnelles des, des années 60 et euh, une capacité à faire jaillir aussi dans les bandes dessinées des euh, pratiques de l'image qui sont, je dirais, aux, aux confins de, de tout ce que le monde des années 60 peut produire. Déjà, hein, d'avalanches euh, pour le regard d'images de, de toute origine possible, d'une grande hétérogénéité, si vous voulez, à la fois euh, structurelle, sociale, politique, qui vont de, de l'affiche, des cartoons psychédéliques, euh, des tracts, de, euh, de la littérature fantastique, etc etc il y a un décloisonnement aussi euh, hiérarchique qui apparaît avec les années 60 qui est hyper important on aurait aimé euh, qu'il qu'il puisse durer plus longtemps c'est-à-dire que au, au, en Italie par exemple il y a une revue extrêmement importante qui s'appelle Linus euh, qui va publier des bandes dessinées mais aussi grâce à laquelle les intellectuels de l'époque vont commencer à écrire sur les bandes dessinées avec les armes habituelles de l'analyse savante et vont commencer à, à se déplacer vers le donc là, le côté pop aussi apparaît dans ce changement d'objet. On va dire qu'il y a une espèce d'épistémologie critique qui se développe à ce moment-là et qui fait se rencontrer euh, créateurs de bandes dessinées, euh, intellectuels, écrivains, euh, acteurs de la scène philosophique et des sciences sociales, dans des préoccupations qui ne se boudent pas les unes les autres. Et Crepax apparaît à ce moment-là. Lui, il a surtout euh, comme sujet des, des sujets euh, érotiques et fantastiques. Il est beaucoup connu surtout pour le travail puissant qu'il opère sur la mise en planche et l'organisation de ses cas. C'est un, un homme qui va énormément travailler le rythme. Donc c'est marrant de regarder ça juste après windsor McKay parce qu'au fond, bah, c'est difficile de ne pas voir dans ces préoccupations, même si elles sont passées par le crible d'énormément de choses différentes, et même si elles sont au service de tout à fait autre chose, bah de ne pas voir dans ce genre de planches finalement le prolongement hein, de, de certains types de recherches, de, de certains questionnements sur la discipline bande dessinée, la façon de, euh, de penser une organisation de planches, euh, des configurations plastiques, etc. etc. Donc là, le, le, le caractère euh, pop et psyché euh, dont, dont je parlais euh, peut toucher quand même assez fort certaines des organisations de ces pages. Alors, il est un peu tombé en déshabitude, je crois qu'on ne lit plus beaucoup Crépax euh, aujourd'hui. Quand j'étais Môme, donc au début des années 80, c'était encore quelqu'un qui avait une certaine importance, qui était beaucoup lu, mais ça, ça a un peu disparu. Alors. Salut Ulrich euh... Alors, de quoi, qu'est-ce que vous me racontez tata tata, Content d'être en 160p et de voir que dalle. Ah, tu vois rien là-dessus, c'est vraiment dommage. Tu as vu le film, Super Dodo Ouais, il est plutôt chouette. Tu l'as pas mal lu, mais Supernatural, tu peux pas. <laughs> Quand même, c'est le truc avec de la pâte sablée et des fruits, d'accord. Dans ces autres BD, je trouvais des trucs intéressants qui rattrapaient, ce qui te hérissent, mais pas dans celle-là mais Moi j'aime beaucoup la, la férocité la violence qui se dégage finalement de, même chez euh, Mister Natural, de cette espèce de, de pessimisme à la limite du cynisme. Donc effectivement, je peux comprendre que cette espèce de hauteur euh, agace, mais il faut quand même se remplacer dans un, un contexte où il euh, y a une espèce de nécessité à cet endroit-là de euh, quitter euh, l'angélisme euh, tartignol de euh, certaines propriétés du mouvement hippie euh, qui ont fait des caisses pour euh, laisser imaginer qu'on a euh, réglé la quasi-totalité des problèmes interindividuels euh, par euh, des modes euh, bien établis de nouvelles conventions renversantes. J'y crois peu, et lui il y croit moins que quiconque. Quoi. Mais je pige hein, que ça puisse exaspérer. Le côté euh, vieux schnock hautain. Euh, donc où j'en étais. Ah voilà. Tout au contraire, la pompe ostentatoire des grandes narrations de l'âge d'or. La médiocrité hâtive des comic books appelle le héros comme elle requiert le répertoire. Alors les comic books, hein, c'est un format un peu particulier. Je trouve Alain Ray un peu sévère avec les comic books, même si, effectivement, je ne suis pas un grand amateur de comics. Comic books, c'est vraiment des, des fascicules qui vont apparaître dans l'après-guerre, qui ont un type de publication américaine de petit format sur des papiers un peu médiocres, entre 30 et 100 pages, exclusivement de bandes dessinées, et des bandes dessinées dont le genre est souvent extrêmement marqué. Voilà. C'est-à-dire euh, que le, quand j'ai le genre, être marqué, est le, le genre fantastique, le genre western, le genre horreur va être appuyé puisque c'est autour de ces thématiques que le public va s'agréger plutôt que pour d'autres caractères. Les comic books vont plus valoir les vertus d'un certain spectre du genre que euh, tel ou tel auteur. Euh. Mais bon, la figure du héros, évidemment, elle est centrale et notamment parce qu'elle est extrêmement instituante. C'est-à-dire que. La figure du héros, je vous l'ai dit, elle est instituante à la fois de cette espèce d'autonomie iconographique propre, mais aussi euh, elle est constituante d'un régime de plasticité particulière dont, au fond, le héros devient la matrice, devient euh, l'espèce de rendez-vous euh, cellulaire avec euh, le noyau autour duquel bah, va s'organiser finalement tout le travail plastique, toute l'organisation narrative. Un récit suivi, souvent remarquable par sa débilité assumée pour laisser sourdre plus brutalement l'inconscient, s'articule entre des mannequins forgés au magasin des accessoires. Donc là, c'est la critique des super-héros et des comics, ça dégomme bien. Il le dit d'ailleurs, on le voit bien avec les super-héros. Les appétits schizoïdes du lecteur ou du descripteur peuvent se jeter sur Superman ou sur Batman et reconstituer en dictionnaire, en catalogue les logorés prétextuels. Ah, c'est sûr que ce qui caractérise les, euh, les, les, les comics, des, bah, les tout débuts du comics, hein, je ne sais pas si vous avez déjà lu euh, je sais pas, les premières BD de Buscema ou, ou de Ditko, euh, c'est généralement excessivement bavard. Euh, mais au fond... Euh, Alain reine n'a pas vu les comics contemporains qui sont encore plus grandiloquents, au moins d'un point de vue plastique. Euh, mais il y a déjà une certaine grandiloquence euh, qui s'installe, c'est-à-dire euh, oui, le, les comics euh, de cette époque souffrent d'une espèce d'hypertrophie euh, euh, de pompière des, des figures héroïques. Donc avec évidemment, c'est difficile hein, de, de, de ne pas... Euh, euh, regardez ça avec dédain, euh, un, un culte plutôt douteux des figures héroïques euh, aux idées euh, politiques, la plupart du temps faisant des, il faut le dire, et puis un bavardage aberrant que lui considère comme débile, bon, je dois vous dire que j'ai jamais réussi à lire une seule bande dessinée de Kirby pour ma part, hein. je peux regarder ça avec euh, appétit, je trouve ça très beau, très excitant, mais au bout de deux échanges de, de, de paroles, je, je, je suis affligé, donc euh, ça, ça m'emmerde grave quand même. Je peux comprendre que ça rebute à euh, l'arrêt. Alors, Danny Mer dit ⁇ Bonjour tout le monde !⁇ Je me le risque de sembler puritain en disant ça, mais est-ce que de manière générale, un homme aux tendances, même légèrement réalistes qui passant, dans mettre en, en image chez fantasmes sexuels, ça ne devient pas rapidement pourri ?⁇ En sortant justement de l'angélisme hippie sur une révolution sexuelle pseudo-égalitaire, euh, mais les BD étant des œuvres artistiques, j'ai du mal à savoir à quel niveau cette critique est possible. Euh, alors, c'est compliqué, euh, Dany Mer avec Chrome, euh, C'est très très compliqué. Notamment parce que euh, la mise en scène des fantasmes sexuels dans les bandes dessinées des années 60 est réellement la... une proposition à la fois inattendue, euh, scandaleuse et euh, nécessaire. Mais on est en fait, on est... Comment dire ça Les années 60 et 70 sont prises. Dans euh, des schémas euh, d'organisation euh, des codes sociaux qui sont ni plus ni moins euh, les nôtres, hein, en termes de brutalité, euh, de euh, mépris de classe, de racisme, etc. Euh, et je parle pas, enfin si, je parle de la polarité de genre euh, qui, est, euh, qui est féroce et qu'effectivement le, le, le mouvement hippie prétend réduire. C'en euh, est drôlatiquement désespérant que, que d'y croire quand on met le nez évidemment dans l'organisation des communautés et la violence qui s'y est euh, souvent distribuée. Chez Crumb et chez euh, les contemporains de Crumb des années 60, la mise en scène de la sexualité est euh, double. A la fois, elle, euh, elle vient violemment euh, s'achoper à une vague de puritanisme qui a prétendu, euh, pendant 20 ans, régimenter la construction des comics aux États-Unis euh, en donnant des cadres euh, comment extrêmement resserrés et euh, terriblement conservateurs à toute la production artistique. Et il est une bonne chose de foutre tout ça en l'air de toute façon. C'est-à-dire que le fait que les fantasmes de Crumb soient euh, des fantasmes de petits bourgeois étriqués et qu'il s'y ridiculise lui-même, qu'il est, qu est le, la, la première créature absurde et abjecte Confite dans son abjection. Il y a chez Crumb une espèce d'auto-ironie mordante euh, qui, qui confine, je dirais, à, à euh, l'immolation par le feu permanente. Euh, ça touche plus, bien plus qu'à l'exposition brutale d'une espèce de spectacle de la partition sexuelle. Ça touche à un questionnement contemporain de Crumb hein, sur euh, la compréhension des mécanismes psychiques, euh, des fantasmes, de leur place dans la vie humaine, des contraintes sociales qui s'y exercent qui me paraît très précieux. C'est-à-dire que Chrome ne se contente pas d'exposer ses fantasmes. C'est pas... c'est pas François Bourgeon qui dessine des culs pour qu'on bande et qu'on se branle. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Pour moi, la, toutes la, 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 les publications érotiques des années 70, euh, genre Tendre Violette ou toutes ces merdes qui sont que des prétextes pour mettre en scène euh, des filles légèrement dévêtues pour un, un public de, 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 bah, de masturbateurs euh, euh, complètement confi euh, dans euh, l'image dégradée des femmes, c'en euh, est tout à fait détestable. C'est pas ça, Chrome. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un questionnement général du régime de la représentation des fantasmes qui va très au-delà de ces questions. Et quand Crumb est, euh, est pris dans euh, la bassesse de ses fantasmes, il y a bassesse et il y a fantasme. C'est-à-dire, il y a compréhension aussi de ce qu'est un fantasme, de comment il est construit socialement et individuellement, et de la raison de cette bassesse comme étant une production à la fois de l'imaginaire singulier et de l'imaginaire collectif, prise dans un carcan euh, social d'un certain moment. Il y a donc vraiment de, une intelligence. Euh, Réel de ce questionnement chez chrome que, que tu vas pas trouver ailleurs. Donc je pense qu'il faut temporiser le, le comment le côté euh, désagréable de tout ça euh, parce que parce que c'est très injuste en fait en observant euh, Crumb et euh, ce qu'il est en train de fabriquer et notamment parce que euh, parce que chrome est le premier je pense à ne pas être dupe de la révolution sexuelle. Il n'est pas dupe du tout de, du cadre dans lequel ça naît et des forces qui s'y exercent, notamment sur, euh, sur les gens. Donc je pense que... Garde ça hein, de, de côté, euh, mais euh, ça mérite quand même euh, d'être questionné, en tout cas à, à, à l'aune de tout ça. Plus simple, la typisation rapide des figures plates. Félix donc là il parle euh, il parle de Félix le chat euh, je sais pas j'imagine que vous connaissez un Félix le chat euh, comment euh... Euh, Popeye, euh, Snoopy, donc je crois que vous connaissez toutes ces figures. Hein. Alors après, je suis pas sûr que vous connaissiez ces gars, enfin les, les auteurs euh, de tout ça. Je ne sais pas si vous avez une connaissance dans le détail de la jeunesse de, de ces, ces figures héroïques, euh, de Snoopy, donc hey la yeah figure des Peanuts de Schultz. Mais en tout cas, vous y avez été confronté visuellement, j'imagine, et culturellement. Euh, produit une iconographie aussi stable, robuste, capable d'utilisation multiple, reposant sur un petit nombre d'éléments anthropoïdes et animaliers sélectionnés par les systèmes de déformation. alors, est-ce que ça veut dire que, en substance, il y a une possible réinjection en tant que module iconographique dans la sphère sociale, la scène sociale? est-ce que, est -ce que le, le, le fait de bondir hors du papier pour en faire la scène sociale l'aurait rendu possible? je ne crois pas. Euh, C'est-à-dire que oui, certes, ces figures peuvent devenir des fétiches et elles le deviennent. Euh... Pourquoi, qu'est-ce qu'il a ton chien Il s'appelle comment Il s'appelle Félix C'est Félix le chien Il ne faut pas faire ça. Hein il va se sentir mal. Il... Si tu appelles un chien Félix, je sais pas, mais il ne va pas bien vivre. C'est trop bizarre. Donc, euh... oui, la question, c'est ça. Puisque telle était la question de, de Ray depuis le départ... Hein, la question d'un investissement social de la figure, au point qu'ils deviennent une espèce d'attribut de la société réinjectable par le, par le sens, pratiquement comme un, un poncif. Euh, non, en fait, le euh, que ce soit Félix Chat, Snoopy, etc., oui, ils ont une vie en dehors de leur livre, mais ils l'ont en tant que fétiche. Ils l'ont... Donc comme support de renvoi permanent à leur cause, c'est-à-dire aux albums desquels ils sont issus, ou aux dessins animés desquels ils sont issus. Ils ne vont pas être réinjectables comme figures transparentes au sens pour d'autres conditions d'apparition. Enfin, je ne crois pas. Lorsque les chèmes prétextent un réalisme au sein du projet imaginaire, ils deviennent plus complexes et les narrations moins redondantes. Alors enfin, ça aussi, j'y crois très très peu. Hein. La question du réalisme elle est extrêmement difficile à gérer. C'est un terme plutôt piégeux, c'est-à-dire de quoi on parle. Si, si par exemple on parle de bande dessinée réaliste pour parler de, de Foster et de ses productions de, de, de Tarzan ou, euh, ou Commande de Prince Valiant, on, on s'accorde le droit de parler de réalisme comme une espèce d'évidence, les BD réalistes opposés aux BD comiques. Il n'y a rien là-dedans qui ressemble de près ou de loin à une fonction réaliste des, euh, des attributs figuratifs. Il n'y a, a pas un moment où, euh, <laughs> où ces figures s'extraient du large euh, panorama euh, imaginaire euh, fantastique et, et comment inaccessible euh, qui, qui pourrait prétendre à un quelconque réalisme. Il n'y a pas de plus de... Il n'y a pas de réalisme des situations euh, et donc il n'y a pas non plus, de fait, un réalisme à placer qui serait réalisme des figures. Parce que parce que tout simplement, l'illusionnisme qui est au cœur des bandes dessinées, ça n'est pas l'illusionnisme du dessin. C'est clairement l'illusionnisme des opérateurs de temporalité. C'est ça qui fait fonctionner à plein la question d'un quelconque illusionnisme et donc d'un réalisme de l'expérience. S'il y a réalisme de l'expérience qui est visé, c'est réalisme de l'expérience temporelle celle du déplacement, du déroulement euh, d'un espace plastique à l'intérieur d'opérateurs de durée. C'est extrêmement important de penser comme ça, notamment parce que c'est des durées relatives, hein, c'est pas des instants. Je vous l'ai déjà dit, une case n'est pas un instant, elle est pleine de multiples instants, elle est poreuse aux autres cases. Et aussi la question du réalisme, elle exclut complètement le fait que c'est précisément le caractère social du réalisme qui donne tout son sens à ce mot. et que Si vous l'ôtez pour supposer qu'il y a une superposition de sens entre le réalisme figuratif et le réalisme de la situation, vous êtes complètement, à... vous avez perdu finalement euh, la nécessité de ce terme d'apparaître dans l'histoire de la littérature. Il s'est rendu nécessaire pour faire apparaître à l'intérieur du cadre littéraire des préoccupations politiques et sociales particulières. Donc c'est quand même assez important. Donc, bonne nuit, Suse. À très bientôt. Dors bien. Euh... Pour récupérer le même pouvoir, ils doivent accumuler. L'iconographie des héros d'aventure est forcément complexifiée en paradigme. Tarzan est un catalogue de muscles et d'attitudes. Plage Gordon, donc c'est Alex Raymond qui dessine cette merveille, hein, y joint des vêtements. Des instruments, puis la simulation du ciné enjoint la bande d'aventure ou de sentiments d'avoir recours à des caractérisations plus minutieuses. Donc là encore, il y a une tentative de partition un peu désastreuse qui rendrait impossible, par exemple, d'y placer Winsor Mackay lui-même. Vous voyez bien toute la ou la difficulté où ou, euh, ou, ou Enfin, on ne peut pas placer certains euh, auteurs dans cette espèce de jeu euh, ou oppositionnel. Euh, a fortiori que, parce que la question de la profusion, euh, elle peut apparaître dans n'importe quelle condition. Et si vous connaissez un peu de euh, voilà, de la profusion dans un dessin dit, enfin, pensé comme cartoonesque, et euh, elle, a, elle, a, comment on dit, elle a des raisons d'être. Hein, elle a des raisons de parasitisme, justement, de l'illusionnisme. Parasitisme, de la lecturabilité, excusez-moi pour le gros mot. Mais en tout cas, des, des pièges pour le regard, pour la freiner, pour la ralentir. A partir de là, cette espèce d'opposition iconographique héros d'aventure, euh, là aussi, il faudrait vraiment regarder les choses en face. Mickey est un héros d'aventure. Et c'est pas la peine d'opposer euh, comment le, le, le prince Valiant à, à Mickey héros d'aventure, pas héros d'aventure, Flash Gordon euh, versus euh, Crazy Cat. Euh, si on parle l'aventure au sens euh, le, le plus épique du terme. C'est précisément ce que vit Mickey. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les tout premiers Mickey, mais dès les premiers, c'est déjà ça. Saint-Augan, c'est aussi de longues aventures. À lire Flash Gordon, c'est pas facile. Super dodo. Euh, ma compagne fait ça. Hein. Moi, j'adore regarder des heures les planches d'Alex Raymond. Je trouve ça sublime. Je lui dois beaucoup. Euh, mais bon sang, euh, le lire, il faut se l'appuyer. Moi, ça, ça m'ennuie atrocement. Alors donc, puis la simulation du ciné enjoint la bande d'aventure ou de sentiment d'avoir recours à des caractérisations plus minutieuses. Donc là il nous parle de l'effet que le cinéma pourrait avoir euh, sur les bandes dessinées d'aventure. Que veut-il dire? Une ethnologie de la médiocrité quotidienne ou de l'invraisemblable apprivoisé, son revers fabrique des profils, des vêtures, des objets par centaines. Les amalgames en un homoncule reconnaissable quitte à les déplacer. Les répartir, les tourmenter par l'invention croissante du cadrage en un recours simulé à la magie photographique. Mais ça, ça c'est pas vrai. Il y a le référent euh, des bandes dessinées de Hogarth. Euh, c'est pas du tout. Euh... C'est vraiment le prototype du Tarzan noueux, absolument incroyable, dont on pourrait dire ah oh là là, on est en cœur d'un académisme euh, figuratif. Mais euh, le référent c'est tout sauf le cinéma. Ça n'a aucun rapport avec euh, la magie photographique. C'est un jeu d'actualisation du dessin, euh, des formes, des muscles, des saillies, de l'organisation des corps qui n'appartient que au dessin, qui ne doit rien pour exister, pour justifier euh, ces constructions très savantes euh, au cinéma. En fait, il me semble, mais là encore hein, je peux me tromper, que quand les bandes dessinées recourent par quelque endroit que ce soit au cinéma, c'est plutôt par l'apprentissage de certaines possibilités de montage transposables d'une discipline à l'autre. Le cadrage cinéma, dans les bandes dessinées, en fait, il apparaît très tardivement. Il n'est pas du tout là euh, quand on est dans les bandes dessinées euh, des, euh, des années dont on parle, à âge d'or ou dans les années 50. Pas du tout. Qu'est-ce qui peut vous permettre de dire ça? C'est très simple. La photographie ou les cinématographes suppose une extériorité générale à la capture élémentaire d'une localité prise dans cette configuration. Donc, d'une certaine façon, de la photographie ou de l'image cinématographique, le monde visuel déborde de partout comme présupposé. Donc la construction du plan cinématographique, qui par ailleurs est toujours le même tout au long du cinéma, l'écran ne se déforme pas tout au long de la vision où vous avez du film, donc c'est un cadre extrêmement contingent, et ce cadre correspond... À un truc, c'est la modalité de déplacement subjectif de l'appareil. En gros, ce qui permet de constituer la limite, c'est le déplacement de cette contrainte industrielle. Les cases de bande dessinée ne se construisent pas du tout comme ça. Leur régime d'organisation, en fait, emprunte beaucoup plus à la longue histoire des peintures, la possibilité de resserrer la portion visuelle à l'endroit de vos intentions, ça ne suppose aucune extériorité. Hein le monde n'est pas un monde infini de dessins dans lequel vous placeriez un petit cadre pour saisir la portion qui vous intéresse, et ça veut dire que le cadre est particulièrement euh, déterminant pour produire de la contingence à l'image. Euh, exactement ce qu'on voyait chez euh, Crazy Cat, euh, pardon, chez euh, Winsor Mackay, ou et chez euh, comment et chez euh, Guido Crepax. C'est pas différent dans Flash Gordon. C'est-à-dire que quand euh, Alex Raymond j'en ai pas là, c'est con, j'en ai plein là-haut du Flash Gordon, je, peux, je vais vous en chercher, si j'arrive. voilà 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 on a plein de flash cordonnes. alors on y va donc typiquement les euh, les constructions de cases voilà un exemple typique voilà cette construction de cases et rien moins que cinématographique vous avez ici de part et d'autre l'érection de deux plans latéraux qui visent à dégager euh, la L'image centrale pour permettre au regard de s'achoper uniquement sur les figures, mais de constituer quand même un arrière-plan. C'est déterminé par une extension panoramique pour produire un type de rythme où, d'un seul coup, la séquence qui est ici fait une rupture à la fois de sens de lecture et euh, d'extension temporelle. Bon, ça, c'est produit par du dessin. C'est tout sauf du cinéma. Le, euh, le fait que les figures rentrent intégralement à l'intérieur du plan euh, et avec un, une contingence de la forme pour euh, les saisir toutes c'est exactement les principes de la renaissance qui ne coupent pas les figures et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les, la, la gesticulation du plan ici, elle est donnée essentiellement par le trait. C'est-à-dire que vous avez des assonances visuelles qui sont données ici. Vous voyez, les petites circulations de traits qui sont censées construire uniquement, normalement, des nuances de gris. En fait, elles ont d'autres effets. Ces tramages ont des effets dynamiques qui permettent à toute la case de se construire en faisant valoir ces saillies-là euh, des canons comme des prolongements de ce qui se joue ici. C'est-à-dire que tout l'agencement du dessin, il est contraint ici, non pas par des positions de cinéma, des histoires, histoire de cinéma, de la pensée de cinéma, mais bien au contraire de la pensée de dessin, des cadrages de dessin, et qui euh, dont chaque justification est, est apportée à chaque fois par les, les masses plastiques et leur organisation. Donc c'est une erreur euh, d'imaginer en quoi que ce soit qu'il puisse y avoir dette à l'endroit de ce genre de construction. Hein, donc dans ces fameuses bandes dessinées dites d'aventure dont nous parle euh, comment à l'arrêt à l'égard du cinéma. Ça n'est pas vrai. Et plus vous lirez euh, comment Flash Gordon, si vraiment ça vous intéresse, et clairement euh, c'est quand même magnifique. Hein. On est on est dans du, du très très grand euh, euh, travail d'organisation des pages. Regardez-moi ça. Vous voyez bien que la justification, par exemple, de cette coupe ici, c'est de pouvoir produire ce mouvement-là. C'est-à-dire la justification des coupes. C'est pas la saisie d'un endroit, c'est l'organisation plastique générale de la planche, avec à chaque fois la possibilité de produire un espace à la fois tabulaire pour le regard et aussi ponctuel hein, dans toutes les, les les zones de durée expansive euh, que constituent ici les cases qu'on peut marquer ou ne pas marquer, c'est indifférent. Enfin, le, la case est un élément également euh, comment euh, subsidiaire euh, de la construction des bandes dessinées. Bon, tout ceci pour vous dire que ça me semble une bien médiocre hypothèse hein, que de, de supposer ça. Voilà. Bon, je... On va s'arrêter là pour Flash Gordon. C'est pas la peine d'en descendre autant, mais c'est important de regarder les choses pour ce qu'elles sont. George Lucas voulait en faire un film. Bah, Écoute, ça aurait fait un film de merde de plus que dire. Hein que dire Il faut vraiment être con. Hein enfin, pour transformer les, les plus belles euh, lignes de plumes du monde en un... Euh, une photo, enfin, même si elle bouge, c'est pas très intéressant quand même. On... Alors, on a eu un bon nana. Ah oui, il y a eu un Flash Gordon du début des années 80 avec la musique de Queen. Je l'ai vu. Quel drôle de truc! <laughs> drôle de truc, je dois dire. Alors, on en était où? Je tiens que l'histoire profonde du genre révèle. Avant le renouveau des années 60 qui va tout déplacer, un long cheminement de l'éclatement schizoïde à l'obsession puis à l'hystérie. Donc là, on a un remploi par Alain Ray du terme de genre pour parler de bande dessinée. Ne faites pas ça, hein. ça n'a aucun sens. Salut hein. inétique Vous ne pouvez pas parler du genre bande dessinée, c'est complètement con. C'est un genre de quoi Un genre de littérature C'est stupide. Euh, la bande dessinée elle-même, comme discipline, implique l'approche de tous les genres que vous voulez. Le western, la science-fiction, euh, le récit héroïque, euh, le drame social, le drame bourgeois, euh, la tragédie. Euh. Donc oui, c'est une discipline à part entière qui peut euh, effectivement euh, euh, produire euh, des cadres de genre, mais en elle-même, elle, elle n'est le genre de rien du tout. Donc, ne parlez pas de bande dessinée en termes de genre, hein. c'est pas possible de faire ça. Or, la perfection obsessionnelle s'inscrit dans la série consacrée aux super-héros, avec les nombreux accessoires du fétichisme. Avec un surinstinct des nécessités, du délire, un critique venu de la sérieuse et positive Encyclopædia Britannica s'est attaqué à la fragmentation des noms articulant ces récits au prix d'un travail effarant. Pour le seul Batman, euh, Michael L. Fleischer a concocté une encyclopédie de près de 400 pages grand format, éclatant en 1100 entrées bourrées de références, de renvois croisés, de citations textuelles et figurales. La narration qui se déverse en kilotonnes de papier orné d'images naïves depuis 1939. Donc vous dire que le travail euh, encyclopédique sur les bandes dessinées commence quand même à, assez tôt. Alors, bon, la, la personne dont il parle euh, a écrit ça dans les années 70, je vois très bien, c'est Michael Fleischer, donc c'est... Euh... Alors, qui est Michael Fleischer ça, Vous ne savez euh, probablement pas, enfin, j'imagine, peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent, mais pour les autres. Euh, Fleischer, euh, donc c'est un mec qui est né dans les années euh, 40, et il est mort il n'y a pas, pas très longtemps, donc c'était un écrivain euh, américain, il avait commencé euh, par écrire euh, des westerns au début, mais il est surtout connu au départ pour... Euh, par nous, peut-être que comme écrivain de Western, il était très connu aux états unis j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, euh, pour ce qui a traversé euh, la mer, il est connu pour tout, pour son travail de créateur de héros. Donc s'il s'intéresse aux héros, c'est parce qu'il en a créé, il bossait chez DC Comics dans les années 70-80. Effectivement, il a écrit trois volumes d'une encyclopédie des héros de bande dessinée. Euh, et, et à part ça, bon, il a écrit des nouvelles fantastiques, euh, il a écrit... Euh, bon, parfois, il travaille avec des collaborateurs. Hein. Euh, par exemple, il a créé avec Steve Ditko un héros qui s'appelle Shade, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, il a écrit une grande partie. De la Bible de Batman. Il a agrandi le cadre mythologique de Batman. C'est à lui qu'on doit par exemple les origines de Pingouin. Il a créé une série qui s'appelle Jonah X avec Albano. C'est une espèce de héros de western qui est devenu petit à petit une sorte de série post-apocalyptique. Et il a créé un héros très célèbre dans le milieu des comics des années 70 avec Carley qui s'appelle le, le Spectre. The Spectre dans la langue originale, mais du coup, je ne sais pas comment on dit The Spectre. The Spectre, comme on prononce ça, je n'en ai pas la moindre idée. Euh, c'est une BD qui avait été beaucoup accusée de, de, de violence très complaisante et souvent censurée. Euh, donc, lui, c'est un drôle de type, ce Fleischer. Il a fini sa vie euh, en retournant, plutôt en allant à l'université, alors qu'il était déjà un vieux bonhomme. Il a passé un doctorat en anthropologie et puis il est devenu. Euh, il a été faire des missions humanitaires euh, en Afrique. Voilà, c'est un drôle de zozo. Il était considéré comme un drôle de zozo. Et à l'époque où il faisait des bombes dessinées, c'était déjà un drôle de zozo. Si ça vous intéresse, on peut regarder quelques trucs de, de spectre. Euh, attendez. Hop. Alors, est-ce que ça n'a rien à voir Est-ce que j'ai ça ici Ah, bah ça, par exemple, c'est Jonah X. Voilà. Donc, c'est le, le fameux. Là, il est déjà devenu post-apo. On a perdu le western. C'est un type à la gueule brûlée. Alors, j'en ai jamais lu. Hein. Je ne connais pas ça. Euh, voilà. Là, c'est à l'époque où il était encore western. Hein. Western, western. Ah, tu connais, toi, super dodo, John Ça D'accord, tu as lu ça. Eh bien, euh, moi, je ne connais pas. Et voilà, encore John On X. Hein. Regardez le dessin un peu plus près. Il hein. y a de la bagarre. Oh, ça, c'est bagarre. Il Y a des bandits. No, you die. Donc ça, c'est Jonah Hex et je dois avoir euh, peut-être un dessin ou deux du Spectre. Bagarre. Ah, j'ai oublié de remettre la musique, moi. <laughs> Ah, est-ce que j'ai d'autres choses euh, des créations Est-ce que j'ai le spectre hein Je vais regarder ça. mad, 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 on s'en fout, ça c'est si on regarde mad ensemble. Spectre, oui j'ai ça. Ah, euh, la spectre. Hmm. Pareil, j'ai jamais lu ça. The wrath of the spectre. Oui, c'est vrai, qui n'aime pas les bandits et la bagarre Bon, là on est vraiment dans les compositions euh, typiques hein, des cases de super-héros de cette époque. On vous pouvez voir que c'était très bavard, je sais pas si c'est toujours le cas, je sais pas si les comics euh, contemporains sont très bavards. Mais j'ai jamais lu ces trucs là, mais un... quand j'étais en 6 j'ai un pote qui était très très fan de tout ça, qui lisait Strange qui essayait de me convaincre de l'intérêt euh, du surfeur d'argent. Euh, et bon Dieu, que ça me cassait les couilles. <laughs> voilà. voilà. Ah, pardon. Alors, que nous dit-il de Fleischer Utilisant le vocabulaire général et technique, on a un ramassis morphologique ou bat. Chauve-souris joue le rôle de matrice et d'invariant. La bande mobilise une famille linguistique d'êtres et d'objets. Batman, Batboy, Batgirl, Batwoman, certes, mais Batmite, un lutin extraterrestre, extraterrestre, utilisant Batmobile, Batcopter, Batplane, évidemment Bat Signal, entreposé dans la Batcave. La fabrique des noms se projette, au plan figural, en une production de masques, de capes variablement voltigeantes, de collants, de larges poitrails, de seins avantageux, de bras musclés, de jambes fuselées, à ne pas distinguer en nature des capots, fuselages, fusées futuristes et autres appareils, dispositifs et trucs muches à fantasmes futiles. Ce bric-à-brac se double d'accessoires humains d'une grande simplicité. Les innombrables méchants à combattre, les adjuvants et les témoins forment la micro-société nécessaire de pantins plats et agiles. Alors, bon, le statut de Batman euh, à l'époque où Ray est écrit, donc en 78, est extrêmement différent de celui que vous connaissez. C'est-à-dire que le, la production du premier Batman, alors je me demande si c'est pas. Euh, Est-ce que c'est le Burton Non, je crois pas. Je crois qu'il y en a eu un avant le Burton. Enfin, dans les années 80, en tout cas, il y a eu euh, une tentative euh, qui a plutôt pas mal fonctionné de produire une image du Batman euh, au, euh, au cinéma qui allait envahir l'espace visuel et notamment l'espèce de comment de logogramme euh, de la chauve-souris qu'on voyait absolument partout au début des années 80 avant que le film n'apparaisse au cinéma. Il y a eu un travail de merchandising absolument dément qui a envahi toute la sphère sociale d'abord avec des objets avant que le, même que le film ne sorte. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais qu'un site un film était annoncé comme culte avant même qu'il ne soit sorti comme une sorte de promesse alors qu'évidemment la notion de film culte jusque-là c'était plutôt celle de film Plutôt euh, comment euh, discret et confidentiel, qui peu à peu acquérait un statut culte à, à force de se construire comme mythe central d'une petite euh, communauté d'amateurs. Et là, il y a eu un renversement autour de Batman du statut du film culte. C'est devenu tout à fait autre chose. C'était devenu en fait un plan, un budget prévisionnel, un business plan euh, bâti sur euh, une invasion de la sphère sociale par, euh, par le, le, fétichisme, le, le fétichisme marchand. Alors, dit 10, ça reste très bavard. Mais toi es plus attaché au scénariste qu'au dessin. Donc en ce moment le seul qui t'intéresse, c'est Tom King, je ne connais pas. Monsieur Parlain Papa dit salut, c'est marrant que Alain Ray est écrit sur la BD Bah oui, mais oui, oui c'est lui. Il euh, y a la série Batman. Ah oui, c'est vrai, il y avait une série effectivement des années 60 qui était très pop, qui était assez étrange, avec l'apparition des. Euh, au moment des chocs des, euh, des onomatopées qui s'inscrivaient sur l'écran. C'est 89 le Burton, il y en a un juste avant alors Super Dodo, parce que je crois que c'est où vraiment le logo a envahi toute, toute la ville. Je vais pisser, je reviens. Vous devez trouver sans doute à l'arrêt bien dur avec les productions de comics, mais là aussi, il faut contextualiser. Il faut comprendre que le... les bandes dessinées, oh, il y a eu un retour de ça, il y a eu un, un moment pendant lequel elles ont, elles ont commencé à, à jouir d'un sursaut d'intérêt où le mépris s'était abaissé à leur égard, et c'est le moment dont on parle. Après, il est revenu, bon bref, il y a eu plusieurs moments dans l'histoire des bandes dessinées au XXe siècle. Toujours est-il qu'il y a un enjeu. Pour Alain Ray et tous les amateurs de bande dessinée, en souligner le, euh, comment le, la grande, enfin, la puissance euh, créatrice, euh, l'importance comme discipline et euh, la, la, capacité à produire des œuvres d'art de grande qualité. C'est quelque chose qui, qui sonnait évidemment pas comme une évidence avant euh, la fin des années 60. Euh, C'est toujours pas vrai au milieu des années 70. C'est-à-dire qu'il y a des conquêtes à, à établir sur le territoire culturel contre le mépris de classe à l'égard des bandes dessinées, ce qui peut expliquer que malgré euh, finalement le, le fait que les bandes dessinées très pop euh, aient pu intéresser les exégètes, les analystes, les, les sciences sociales qui commençaient à les lire, à les décrypter, etc., euh, le désir de créer une hiérarchie. Entre des bandes dessinées euh, pleinement conscientes de l'importance de la discipline et la mettant en avant, et les bandes dessinées industrielles produites à la chaîne dans des studios américains, cette hiérarchie, à ce moment-là, elle est désirée parce qu'elle vise un certain but politique et artistique. Voilà, donc euh, soyez indulgents euh, à l'égard de Alain Ray quand il est aussi dur hein, sur les, les comics. D'Animer, c'est quoi la différence entre comics et BD? Alors, il n'y a aucune différence. Le, le terme comics est, est vraiment le nom donné à un support éditorial aux États-Unis. Euh, et euh, précisément, si les États-Unis ont décidé. Dans les années euh, 70, d'inventer un terme. Moi, je, on le voit apparaître pour les premières fois sur, euh, par exemple, les couvertures de, de Corben. Donc, au fin des années 70, il écrit sur un de ses bouquins, alors, je ne sais plus si c'est Dan, c'est peut-être Den, il écrit euh, a Graphic Novel, roman graphique. Euh, il le fait justement pour s'arracher à un marché qui repose sur l'idée que la bande dessinée, c'est rigolo, c'est léger, c'est futile. C'est-à-dire que les, les... même s'il a existé des bandes dessinées destinées aux adultes dans les grands journaux, c'est le cas de Crazy Cat, hein, euh, assez vite, pour autant... Le dispositif de vente hum, des magasins, l'organisation de la vente en fait des, des bandes dessinées américaines euh, placé sous le régime comics, donc terme générique employé pour parler des bandes dessinées aux États-Unis, déplaisait fortement à tous les gens qui ne faisaient pas des bandes dessinées drôles et qui mieux encore ne visaient pas nécessairement un public pour leur distraction, voire un public enfantin. Donc il euh, y avait un combat à gagner à ce moment-là. Seule raison pour laquelle les Américains ont inventé ce, ce, ce terme, qui n'a d'ailleurs pas de sens ailleurs qu'aux États-Unis. Enfin, si on vous parle de roman graphique, si, c'est juste. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a aucun sens historique, aucune raison d'exister, etc. Euh, c'est une conquête assez longue, euh, à laquelle a largement participé Will Eisner, mais qui euh, est plus ancienne que lui. Alors, on a tendance à supposer que c'est à Eisner qu'on doit, qu doit cette séparation, mais qu'une séparation, comment dire. Euh... C'est un coup de force qui a une nécessité politique et artistique jouée par les, certains Américains dans, euh, dans les années 70 pour se séparer justement de cet univers à la fois marchand et mental euh, du comics, en tout cas de la façon dont les États-Unis rangeaient les productions en bande dessinée chez eux à cette époque. Donc évidemment, ça n'a pas de sens aujourd'hui de parler de comics pour parler des bandes dessinées euh, américaines d'une façon générale. Enfin, C'est idiot. Il euh, n'y a aucune, aucune sorte de raison d'appeler euh, les productions de Cloves, de Burns, de Chris Ware des comics sous prétexte que est américain, On est d'accord. Aujourd'hui, on pourrait dire que peut-être, et encore pincette. Puisque les enjeux ils vont se déplacer. Quand Sienkiewicz euh, envahit euh, dans les années milieu 80 euh, les bandes dessinées avec Straight Toaster, des bandes dessinées justement de super-héros, avec le même format, les petits fascicules agrafés, dans même, on pourrait dire la même surface éd éditoriale de vente, de parti pris plastique extrêmement fort, euh, affirmant d'une certaine manière son artisticité, du moins en tout cas en tant que producteur de forme. Euh, il fait exploser finalement à l'intérieur du cadre des comics les valeurs sur lesquelles celui-ci établissait euh, le, son rapport de forme, la façon dont il se vendait, la, la façon dont il instituait justement la bande dessinée industrielle avec ses règles, avec ses studios, etc. Donc si c'était possible, déjà à ce moment-là, au milieu des années 80, le terme comics commence à craquer euh, quand des gens comme Wrightson ou Miller vont à l'intérieur même du dispositif éditorial dit... Comics produire des bandes dessinées qui euh, brisent euh, toutes les façons d'aborder cette question. Il y aura les Watchmen plus tard. Ça veut dire que même le comics en tant que mode éditorial, représentation sociale, etc., il ne veut plus dire grand-chose à ce moment-là. Ça a peut-être eu un sens à un court moment euh, de l'histoire des, des bandes dessinées américaines de parler des comics parce que ça représentait un certain mode de production avec un certain mode de construction narrative et un certain type de public et une certaine diffusion dans un certain type de boutique. Mais aujourd'hui, ça me paraît vraiment un peu aberrant de faire perdurer... Euh, ce terme, alors le message, c'est. Ah oui, bah oui, c'est le terme. Non, c'est pas les guillemets, c'est ce qu'il y a dans les guillemets qui est effectivement pas possible. Euh... <laughs> sur le chat, on ne peut pas prononcer ça. Il n'y a que moi qui ai le droit de le dire. Roman oh, graphique, Roman oh, graphique, Roman oh, graphique, Roman oh, graphique, Roman oh, graphique. Oh, graphique. Voilà, voilà, voilà. Alors. Donc, qu'est-ce qu'il dit encore du travail de Fleischer sur euh, Batman et tout ça Il dit. Descripteur infatigable de ces entités au grand magasin de l'imaginaire enfantin, premier étage, chef de police, savant, fou, hélicoptère, torche électrique et laser, deuxième étage, fille super, cap et arme à feu, Fleischer la réinsère comme il convient en narration objectivée. Refusant avec une rigueur indispensable d'échapper au délire décrit, il encyclopédise strictement des référents. Personnes, objets, phénomènes, comme la bonne vieille Britannica en use avec notre foutu monde. Pas un regard sur le dessin, le traitement narratif ou autre fadaise sémiotique. À rester sur le plan même du contenu du récit, enfoncé dans la diégésis, l'auteur de cette encyclopédie des héros de comic books inaugure un genre passionnant. Que le support philologique disparaisse et naîtra le dictionnaire borgésien, d'où on pourra dire évidemment dont pourra évidemment tirer film, récit et bande en un mouvement enfin perpétuel. Quelle revanche pour l'infortuné rédacteur contraint à textualiser par morceaux le récit écrasant du réel expérimental historique. Oui, effectivement, si euh, le travail de Fleischer se contente de ça, c'est un peu désespérant. C'est-à-dire que, de toute façon, dès l'instant où vous opérez cette partition claire en regardant, en observant, en décrivant ou en lisant des bandes dessinées, une partition. Euh, comment la partie on la con font forme, vous avez déjà perdu la partie, vous avez déjà perdu votre objet. Si euh, vous créez une encyclopédie, effectivement, à, avec ce type d'inventaire, vous supposez, et on comprend pourquoi reste à l'exaspère, il est en train de parler de la faiblesse historique, de l'usure historique de l'iconographie. Ben là, on y revient. On reproduit la question iconographique en disant que la destinée d'un dessin à un moment, c'est d'être raplati, rééchangé contre de la valeur signe, c'est-à-dire de la valeur sens. Ainsi, le dessin ne sera plus devenu que ce qu'il décrit. Bon, évidemment, ça n'a aucun sens et c'est complètement con. Hein. Alors, en fait, cette reprise encyclopédique en mille adresses documentaires détruit le phénomène que constitue la bande dessinée. Oui, je suis bien d'accord. En le traitant comme la projection en indice, d'un réel devenu fou. Comme dans le mythe, comme dans les concordances évangéliques, le simple récit parfois déraille et se Alors Les concordances, je vous ai déjà parlé de ça, les, les tables de concordance, ce sont euh, des tableaux euh, euh, comment, euh, qui, euh, rendent, euh, qui mettent en parallèle les évangiles synoptiques et le quatrième, euh, l'évangile euh, apostolique de Jean, tous les passages se référant à, un, à une même anecdote. Évidemment, il y a des déplacements, il y a des anecdotes, des, des, des moments de la vie du Christ qui n'apparaissent que dans tel ou tel évangile et pas dans les autres et qui sont pas forcément au même endroit. Donc les tables de concordance devaient servir à s'y retrouver à, à l'intérieur des récits évangéliques. C'est très beau d'ailleurs. Hein, si vous voyez les derniers lives sur la roman, il y a un moment où je vous montre des tables de concordance du 7e siècle dans le livre de Kel, c'est vraiment très beau. C'est que la mémoire bédéique n'est guère plus sûre que celle du récit oral. Michael Fleischer a sué sang et encre pour retrouver la totalité du corpus batmanien. Les premiers numéros de Superman et de Batman sont absents des bibliothèques sérieuses. Des collectionneurs, consommateurs obsessionnels et fétichistes avertis se les arrachent à coups de billets de 1000 dollars. Alors, le... la fétichisation des premières publications, elle était déjà extrêmement forte quand j'étais petit. Par exemple, j'ai pu échanger, j'avais trouvé chez un, un bouquiniste les numéros 1, 2, 3 de Strange. Euh, donc c'était des petits fascicules grands comme ça, tout petits, euh, en micro. Donc il euh, y en avait un en orange, un en violet, c'était très laid, il y avait beaucoup de surfeurs d'argent dans mes souvenirs. J'ai pu échanger ça contre une pile d'albums euh, euh, assez conséquentes à, à l'époque, euh, cartonnées, euh, de bande dessinée. Ça m'avait coûté 3 francs et j'avais dû échanger ça contre à peu près 50 fois plus. Quoi. On était au début de cette manie. Restituer un tel ensemble peut être analysé en narration. La monotonie des rituels est favorable aux fascinations. Celles-ci, dans les bandes super-héroïques, sont corrigées par la platitude sociale et la minutie des bricolages qui ficellent l'imagination aux pratiques ludiques de l'obsessionnel, de l'obsessionnisme enfantin. Collectionneur compulsif, gâteux comme aucun vieillard ne parvient à le devenir, l'enfant hyper socialisé se crétinise par la bande comme il se branle en cadence. L'un remédie à l'autre, au soulagement des papas-mamans peut-être jaloux, l'imaginaire collectif aplati en coloriage cru étrangle les imaginations tout en les nourrissant aux sources les plus profondes et les moins maîtrisées. Cette force est plus menaçante que la conduite forcée aux préjugés de la culture, mais aussi générale que la communication sociale. Elle s'appelle aussi bien journal, télé, cinéma. Celle de la vision des petits hommes que la grosse bête société aime bien domestiquer. Eh bien, dis donc. <laughs> euh, S'il y a quelqu'un qui parle très très bien de cet univers parallèle des bandes dessinées, c'est-à-dire la, la façon dont elles circulent et produisent une espèce de... De, comment, de de gâtisme euh, infantilisant euh, des productions de bandes dessinées fétichisées c'est Chris Ware notamment euh, ou euh, comment s'appelle-t-il il y a un de ces personnages collectionnaires de bandes dessinées ah qui est un personnage récurrent des BD de Ware d'ailleurs il a un grand ensemble un, 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 a été traduit en français il n'y a pas longtemps Ah, oh, putain j'ai oublié trop de mémoire excusez-moi j'ai lu ça dix mille fois et... Ça y est, j'ai déjà oublié. Bref, il y a une très belle observation de ce fétichisme des bandes dessinées, de ce collectionnisme, de cette espèce qui aujourd'hui est plus fort que jamais, d'ailleurs, qui consiste à, à connaître par cœur, comme l'encyclopédisme. Sur les comics et les bandes dessinées, l'espèce de, de, de lubie fascinante qui consiste à, à connaître par cœur ce qu'on appelle désormais le lore euh, des bandes dessinées est une manie d'époque euh, qui, qui s'est depuis euh, à l'arrêt multipliée par cent mille. Une façon comme, hein, de, de produire de, de la science sans savant. Dans toute forme de communication de masse, l'emploi des symboles produit une sociologie transférée. On la saisit à vif dans la bande, reflet kaléidoscopique, caricatural, cursif, des codes dominants. L'étudier comme une réalité imaginante, parallèle au réel, ne suffit pas. A ce titre, il est facile de retrouver violence et racisme, antiféminisme et mépris, comme on retrouve leurs critiques. Little Nemo met en scène les rêves de grands bourgeois américains, avec son petit négro rigolo, sa princesse lointaine et si gentille, son goût du gigantisme spatial. Tarzan avant Superman manie le sadisme et le bon droit du plus fort, justifie toute répression au nom d'une morale archaïquement dynamique, celle du puritanisme anglo-saxon. Les fenouillards, donc je vous rappelle les fenouillards, hein, la famille fenouillard, c'est euh, Christophe, euh, on a déjà vu ça ensemble la dernière fois, et Bécassine, oh, sont bien français. L'altérité n'y est pas assumée par des méchants ou par des figurants passifs et neutres, mais par le bas des hiérarchies sociales, récupérée en bonne volonté niaise, sagesse populaire positivée par l'ignorance et la soumission. Certains matériels sont en prise directe sur des problèmes précis de société. Pour qu'ils soient vus autrement que par le discours dominant, il faudra l'esprit critique, souvent récupérable, de quelques intellectuels. Erriman, Kelly et son pogo, Pfeiffer. Ah, J'ai pas de Pogo ici de Kelly, c'est très bien Pogo. Hein. En termes d'analyse sociale et de discours politique, c'est assez fascinant. C'est assez nouveau ça, quand ça apparaît. Riemann, bah, je vous ai montré c'est euh, Fritz the Cat. Et Pfeiffer, j'en ai pas beaucoup euh, sous la main. C'est le bordel dans ma bibliothèque, je vous en ai trouvé un. Je sais pas pourquoi. J'aime bien Walt well, Kelly et j'en possède pas. Bon, euh, c'est un mystère. Il y a des choses comme ça. Euh, je sais pas pourquoi je n'en ai pas dans la bibliothèque. Donc, euh, Tantrum, par exemple, Grosse colère de Julius Pfeiffer. C'est vraiment super. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un peu le dessin de Pfeiffer. On est assez caractéristiquement avec Pfeiffer dans euh, cette génération euh, assez brillante de, de cartoonistes euh, qui font du dessin politique euh, et des bandes dessinées politiques. Ce n'est pas que des Américains. Hein. Vous avez Kino et son Mafalda. On est... Tout ça, ça naît à la même période. Et qui aborde, ou c'est très présent évidemment chez Schulz et ses peanuts aussi, qui aborde euh, sous des formes bande dessinée, euh, souvent aux strips, dans des grands journaux, des questions de société, euh, assez crûment, assez frontalement, ou chez Schulz par la bande, mais c'est quand même très présent, chez Pfeiffer c'est beaucoup plus frontal. C'est un très drôle de bouquin. Hein. Je... je crois que je vous en ai parlé. On a parlé de ça dans un des ondes des balles de ce bizarre bouquin. Tantrum, grosse colère. C'est l'histoire d'une sécession. Euh, une sécession avec le monde, le monde des adultes, etc. Ah, C'est plutôt réussi. Un livre hautement bizarre, avec un dessin de Pfeiffer plus nerveux que jamais. Il est confronté à sa mère euh, anorexique, s'est se brisé membre par membre pour devenir un pur esprit. C'est <laughs> complètement ahurissant Bref, hein, euh, le grand Pfeiffer, il a, il y en a, il y a un film qui euh, traite. De Pfeiffer, qui n'est pas nommé dans mes souvenirs, mais il a un autre nom, mais c'est bien de lui dont il s'agit. C'est euh, I Want to Go Home de Alain Renet. Plutôt pas mal. Drôle le film. Et on voit l'amour d'Alain Renet pour les bandes dessinées, pour le coup. L'éclatement satirique de Mad et surtout le grand chambardement des morales projectives vers 68 des deux côtés de l'Atlantique. C'est le moment où. où après lequel euh, comment euh, Ray écrit. C'est vrai que Mad c'est un truc complètement, euh, complètement ahurissant. Je, je suppose que euh, vous connaissez un peu Mad. Euh, donc c'est une revue vraiment très très importante. Vous avez sûrement eu devant les yeux cette espèce d'image d'un garçon mal peigné avec les oreilles très larges, les taches de rousseur, et souriant bêtement, euh, largement. Attendez, j'ai une image de lui. Euh, je vais vous montrer ça. Vous avez certainement vu ça. Voilà, ça. Hop. Voilà. Vous connaissez ça C'est la mascotte de Mad, c'est Alfred Neumann. Il a une pièce de gimmick, c'est What Me Rory ouais, Moi, je suis inquiet Bon, non. Euh, donc, au début, ça, c'était un comic book, justement, euh, Mad, euh, un périodique, donc un euh, format plutôt modeste. Euh, euh, donc à l'époque il faisait en, en, entre 30 et 100 pages des, des comics books, je ne sais pas combien de pages faisait le premier MAD. Il avait un sous-titre qui était Tales Calculated to Drive You Made, donc des contes euh, euh, fabriqués, construits pour vous rendre dingue. Euh, il y a un épisode des Simpsons sur MAD. Oui oui je crois que, que comment euh, Homer est abonné à, à MAD dans mes souvenirs. Euh, donc ça a été créé par deux types importants par William Gaines donc qui était un scénariste et un éditeur euh, euh, régulièrement censuré bah, je vous ai dit hein, dans les années 50 par exemple il y avait euh, comment un certain Frédéric Wertmann c'est un docteur pour qui c'était une évidence euh, que les, la délinquance juvénile était liée à, euh, à la lecture des comics, donc il y a un code qui a été écrit, le comics code euh, qui était extrêmement sévère avec une surveillance des publications, il y avait eu l'équivalent en France aussi, hein. et donc Kurzman c'est le deuxième Zozo créateur de MAD un auteur absolument génial euh, qui au début des années 50 il commence, et il a été euh, l'éditeur euh, comment, il a été directeur en chef en euh, chef pardon de, de MAD euh, Jusqu'à la fin des années 50. Donc, il commence le magazine avec lui, début des années 50, avec, comment, euh, euh, avec William Gaines. Et euh, il y a un moment, euh, je crois qu'il se brouille parce qu'il euh, voulait rester à Dark chef mais en, en ayant des parts majoritaires dans le magazine, ça lui a refusé, il se casse. Donc, c'était un magazine qui était censément adressé à la jeunesse de moins en moins à mesure qu'il publie euh, qui était ouvertement satirique euh, et la cible de, bon, il y avait toute, toute une, une série de cibles politiques, ah et le comics code on était au courant de tout ça euh, pour voir tous les rennais il faut passer un sacré bout de temps en Bretagne ah <laughs> 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 euh, donc ouais adressé à la jeunesse moyennement et donc à part la politique la cible c'était la culture pop elle même c'est-à-dire qu'il y avait... Enfin, L'essentiel le, des pages de Mad, c'était des, euh, des parodies des différents genres qui fleurissaient dans les comic books. Donc il y avait des parodies de western, des parodies d'horreur, des parodies de policiers, euh, des parodies de aussi. Il y avait Blobs, qui était une parodie de science-fiction qui était dessinée par Wallace Wood. Et tout ça a été revu dans une veine humoristique burlesque, très très agitée, euh, assez caricaturale. Le magazine avait démarré euh, alors, assez rapidement. Je crois qu'il y a un succès qui grimpe dès le troisième numéro. Ils ont même accéléré leur, euh, leur production, leur rythme de production. Au départ, c'était un bimestriel, puis c'est devenu un mensuel euh, assez vite. Et ils ont changé de format, c'est devenu un magazine. Donc, ils ont pris de l'ampleur dans, dans tous les domaines. C'est un phénomène euh, dont tu parles euh, là. C'est un phénomène euh, comment, euh, social et politique assez important, quand même. Hein Alors, à l'époque où ça sort, mal, ça ne ressemble pas à grand-chose. Il n'y a, a pas. Vraiment de référence euh, qui, qui puisse s'y rapporter et ça apporte un sens vraiment neuf dans le monde éditorial des, des magazines et surtout des, des, des bandes dessinées. Et ça va changer le regard sur le comique en bande dessinée aux États-Unis. Donc c'est un magazine qui a été beaucoup, euh, qu'est-ce que vous racontez oui, qui a été beaucoup, euh, comment, beaucoup copié. Euh, vous pouvez l'imaginer, qui a une influence forte, mais également en, en France, et il y a eu une influence forte sur Goscinny. Parce que Goscinny, vous le savez peut-être pas, mais il a bossé aux États-Unis à cette période-là. Je crois qu'il a bossé dans les mêmes studios que Harvey Kurtzman. Avec Harvey pardon. Je commence à fatiguer. Il a, ouais, dans les mêmes studios que, que Kurtzman. Il a publié par ailleurs des auteurs de Mad dans Pilote. Et euh, par la suite, c'est surtout Gottlieb et euh, comment et euh, qui vont se référer sans cesse à Mad. C'est le, leur matrice, si vous voulez. Et Gottlieb, à titre personnel, doit beaucoup à des gens encore. Comme Kurtzman pour, pour penser et son humour et, euh, et sa revue euh, Fluide, même les dessins dans les marges de Fluide, pardon. Ben ça, il y en avait déjà dans Mad, c'était euh, Aragonès qui faisait les dessins dans les marges. Bon, bref, il y a eu plein de tentatives de traduction, même en revue d'ailleurs, en magazine de Mad par Arakirib, ça n'a pas très bien marché. Et puis après, il y a eu des, des compiles, des miscellanées. Euh, je dois avoir un vieux Don Martin qui traîne chez moi, euh, qui est une anthologie de, de bande dessinée de Don Martin, et j'ai noté que j'avais. Attendez, j'ai là, il y a un site. Je vais vous le retrouver. Alors, C'est ça. Je vous le mets dans le chat. Est-ce qu'il y avait des parodies de parodies Oui, bien sûr. Il parodie leur propre monde. Donc vous avez ce site. Il y a beaucoup de choses dedans et notamment il y a des vidéos sur les foldings de Al Jafi. À l'intérieur, il y avait des pages qui se dépliaient, qui étaient assez rigolotes, qui étaient dessinées par Al Jafi. Et euh, je sais pas si on peut les voir. Ah bah oui, je ne vous montre pas le site, là, je suis con. vais Stone, voilà le site. Ah c'est ça. Euh, est-ce qu'on voit des Fold-in Voilà, voilà. Donc le fold c'était ça. Est-ce qu'on peut voir, euh, est-ce que ça va s'animer, est-ce que vous allez le voir ou pas. Eh non, comme d'habitude, ça se fige, fait chier. Je ne sais pas pourquoi les vidéos se figent nécessairement quand je veux vous les montrer, moi c'est comme ça. Ouais, c'est figé. Bon tant pis. Regardez les foldings, c'est assez marrant. C'est des doubles pages centrales dans euh, comment dans, euh, dans Mad qui, qui donnait une espèce de, de, de jeu de questions au milieu. Et quand vous repliez votre bazar, le dessin euh, qui avait une certaine forme, une fois replié, redessinait une autre chose qui était une sorte de réponse. Enfin, voilà. dit comme ça c'est extrêmement abstrait, ça vous dit pas grand chose, il faut manipuler des trucs pour s'en rendre compte, voire regarder les vidéos, si vous voulez quelques bandes dessinées de Mad, là je peux vous en montrer, donc là vous avez euh, la gueule de Neumann, ça typiquement c'est, euh, je vous parlais tiens de la parodie de SF de Wallace Wood, c'est euh, ça, le blobs, voilà, Mais je vous montrerai un petit peu de production de MAD. Voilà une couverture de MAD. Une couverture de 1970. Donc tardive, MAD est déjà à ses centièmes numéros. L'équipe de départ n'est plus là. Là c'est Don Martin, je vous parlais de Don Martin, donc voilà. Encore Don Martin. Oui, je vais bien, remonte juste le saut. Voilà, bon. Je ne sais pas si encore très drôle en 2024, mais bon, pas vraiment. Euh, donc, ça, c'est Harvey Kersman. Très beau dessin de Gersman, donc on va pas se taper la lecture parce que. Euh, parce que c'est très bavard, Kersman. Hein, Il y a des gags partout, tout le temps. Vous allez pouvoir goûter son dessin. Qui est exubérant, qui est souvent volontairement saturé d'informations. Regardez-moi ce merdier de texte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les toutes premières bandes dessinées de Mebius, mais. Euh... Yama qui sont des, des copies quasi conformes de Harry Kurtzman hein, au tout début. Ah oui, c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer quand on connaît le Mébus euh, de la suite, mais ça a été aussi une source d'influence <laughs> puissante hein, pour lui et pour beaucoup de gens donc, hein. Et ça peut donner des choses comme ça à Kurtzman, des doubles pages complètement ahurissantes. Avec une vue plongeante sur une fête foraine. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait. Euh, de l'intégration euh, quasiment diégétique finalement de, du texte, euh, c'est-à-dire comme élément euh, constitutif euh, qui a une place presque matérielle à l'intérieur du récit, euh, du fait que l'écriture porte sur elle aussi euh, toute la, la factualité du dessin, sa, sa dynamique, c'est vraiment une participation totale. Là on en a un super exemple. Toujours Harvey Kurtzman. Ah non! Ah non, c'est Wallace Food ça. Eh oui, c'est Wallace Food, autant pour moi. Avec un tas d'ours. <laughs> Des yinches. Des dessins chelous. Ah bah oui, il hein. est euh... dans les années 50-60. Vous pouvez imaginer que les clichés racistes sont quand même assez nombreux. Ah, c'est les mêmes que vous retrouverez chez Tex Avery, par exemple. À peu près les mêmes figures. Et ça, c'est particulièrement réussi chez Wood. Il y a un travail sur. Ah, pas ici des... Il a fait des expérimentations en SF qui sont complètement ahurissantes en termes d'invention et de modernité. Là, par exemple, on pourrait croire que ces trucs-là, cette façon d'aborder la planche avec un motif répété, on parlait d'anaphore tout à l'heure, voilà, cette construction anaphorique en bande dessinée, elle est, on pourrait la croire extrêmement contemporaine. Euh, et pas du tout. Voilà, c'est Wallace Wood. Il y a beaucoup de choses comme ça chez Wallace Wood. D'une manière générale, dans un cadre euh, léger et comique, euh, les gens de MAD ont inventé beaucoup pour les formes des bandes dessinées. Il y a un certain goût pour la, sa la saturation de l'image. Pas beaucoup de retenue, comme vous voyez. C'est le chaos un peu, hein, c'était ça. Un très beau travail là, sur euh, les ambiances de nuit. Euh, chose qu'on retrouvera très fort aussi dans les magnifiques bandes dessinées de, de Will Ce qui est marrant, c'est le... Je n'ai pas le souvenir qu'il en parle beaucoup. Euh, comment... Euh... Willesner à l'arrêt, alors que clairement, dans les années, euh, les premières années de son travail, notamment autour du spirit, il se passe quand même énormément de choses. Il n'y a pas de cliché, Rassi chez exagéré enfin. D'accord, dit Super Dodo. De... Les DVD ont été censurés. Alors, on a coupé euh, ces figures. Bah, C'est absurde. Enfin, que dire Il faut vivre avec euh, les errances de notre histoire. Nos objets artistiques portent bah, les stigmates des périodes dans lesquelles ils sont apparus. Hein, oui, que dire forcément? S'il fallait virer tous les clichés, enfin tous les, les tableaux qui portent des clichés antisémites, euh, je veux dire que le, la peinture allemande du XVe siècle, bah, il ne resterait pas grand-chose. Hein <laughs> Dommage. C'est un peu con. Cool. Enfin, je vois pas la, le sens. En fait. On va faire comme si pudiquement tout ça n'avait pas existé. Bah, si. Enfin, Regardons-les en face avec leur, leurs errances. Euh, et là. Oui, Marlon Brando, oui, c'est tout à fait ça, la, la référence, évidemment. Donc, c'est encore Wallace Wood le Blob. Il faut dire que je suis assez fasciné par Wood. J'avoue que. Par contre, il ne faut pas être dans le déni, ça c'est insupportable. Alors, les, quand on écoute les, les Tintinophiles nous casser les couilles en prétendant que Tintin au Congo n'est pas raciste, je suis épuisé par leur, leur connerie. Il faut se les appuyer quand même. Alors, pour ma part, j'aime pas agir, donc ça, ça ne me coûte pas très cher euh, d'en admettre la, la nullité politique. Mais il y a aussi parmi des auteurs que j'apprécie de la violence politique, du racisme. J'en souffre, je suis malheureux, mais bon, que dire. Oui, hein. on lit pas Balzac euh, non plus, hein, euh, sinon c'est putain euh, les clichés juifs chez Balzac, ça fait mal. Chez Dostoyevski, c'est insupportable, insupportable. Pas bah, bon, que dire C'est des objets qui portent sur eux euh, énormément de choses, de leur euh, contexte d'apparition, toute la violence d'une époque. Euh... Alors ceux qui ont été commercialisés produits par MGM en France, on a coupé les clichés de noir. D'accord Ouais. Euh, bon, Écoute, ça, 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 ça nous dit plus de choses sur nous-mêmes et euh, la, notre capacité à, à, à penser quoi que ce soit de quoi que ce soit qui donc est nul me ça prouve une impuissance en fait à penser les objets de l'histoire euh, qu'ils soient artistiques ou pas plutôt que ça ne nous dit quoi que ce soit des objets en question hein. c'est très élégant hein, Wood hein regardez ça comme c'est beau cette, ce montage là, superbe la petite main qui tire sur la jupe de sa mère c'est vraiment incroyable Bon Voilà, Wallace Wood, je vais pas vous la faire en entier parce que c'est long. Voilà, ok. On a vu un petit peu de Mad. Bienvenue dans Mad. Alors, on en est où Oh là là, on est loin d'avoir fini le chapitre. On va pas se le faire en entier. Je savais pas que je serais aussi long. Je pensais pas être aussi long. Ça fait trois heures et demie qu'on cause, mais ça va pas du tout ça. Qu'est-ce que je fous euh, Bon, dans ce cas-là, euh, je vais jusqu'à la fin du chapitre. Allez-y. -so. Cette force est plus menaçante que la conduite forcée aux préjugés de la culture, mais aussi générale. Ah non, mais non, ça j'ai lu. Pardon. L'immense majorité des bandes, avant ce temps, donc avant le temps hein, de, de ce... Comment dire De ce sursaut... De maturité politique dans les bandes dessinées. Avant ce temps, par l'émotion mollasse ou la caricature pas méchante, déplace la représentation du social selon le même code qui alimente manuels scolaires et ouvrages de référence. Alors, ça, ce pas tout à fait vrai. Euh, on a euh, quand même. C'est con, je ne pas là, mais il euh, y a des, euh, des moments euh, de la bande dessinée des années 30 où des caractères sociaux peuvent apparaître réellement. Euh, sur les, 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 la, la dureté d'existence euh, des classes populaires il y a quand même quelques exemples que je pourrais vous montrer la prochaine fois et qui montrent que c'est pas quelque chose qui est euh, cette conscience politique et le, leur injection dans les bandes dessinées même si c'est un bruit de fond euh, il existe dans plein de bandes dessinées américaines et mérite quand même d'être souligné en fait deux pôles entre quoi faire aussi et le pendule hypnotisant la surdétermination en fantasme et une pseudo critique de la première, ce texte veut être le témoin analytique. La seconde s'appuie sur l'implicite de l'autre, donc de la pseudo-critique, pour en contester les évidences montrées. En quoi l'underground ne sape que des baraques en planches qui cachent de mystérieux blockouts enfouis Donc il suppose. C'est intéressant, d'un coup. Parce que précisément, ce que je disais de Crumb, c'est aussi ça. C'est que. Euh... Il faut savoir ce que la critique est capable de critiquer, ce qu'elle porte en elle. C'est une question qu'on doit toujours se poser dans la capacité d'un dispositif à prétendre à se faire lui-même critique de ses défauts. Quand, en général, il ne fait que constituer des pauvres petits fétiches secoués pour donner des, des gages, si vous voulez, de sa capacité critique, mais la plupart du temps en ne, ne détruisant rien de ce sur quoi elle se construit, quoi. En quoi le souterrain de, donc, cela, on peut, cela, on en peut supposer l'existence, mais pour les miner, il faudrait s'échapper de la circulation sociale massive par ces coups de génie solitaires que sont les vrais refus. Là, je reviens au live sur l'anomie et du vigno et la rareté, en fait, de la position anomique. Parce que, effectivement, la vraie contestation coûte très cher. Elle coûte très cher quand vous êtes dans un cadre où la question c'est dans quelle mesure je peux continuer à produire dans un dispositif qui repose sur énormément de contraintes euh, comment, sociales, économiques, etc., sans renoncer à ma position, jusqu'où jusqu je peux aller pour euh, accepter l'idée que ça va me coûter très cher et de plus en plus cher, c'est-à-dire m'isoler artistiquement. Ainsi de la plus haute pensée. Accepter. Marx ou Freud sont dépecés et accablés d'être ainsi compris. On peut les mettre d'ailleurs en dictionnaire, en bande dessinée. Critiqués et harcelés, ils revivent. Gloire aux néophilosophes, plus antiques que Zoïl, gentils filous, néophytes, bons apôtres du passé futur et des lendemains qui ronflent. Ils ont compris le truc social, joué contre hier, avant-hier. Donc là, il s'attaque directement au philosophes comme Deleuze le faisait à son époque, qui venait d'apparaître hein, sur la scène de prétendue de la philosophie où il n'y avait pas grand-chose à foutre, à savoir bah, Glucksmann, père, cette trou du cul, euh, dont le fils est finalement un reflet tout à fait euh, convenable, et euh, évidemment euh, Finkelkraut, BHL, cette bande de guignols profondément conservateurs, et il, dont il décrit à l'arrêt qu'il joue contre hier, avant-hier. Euh, et Zoil, oui. Alors le terme vous le connaissez peut-être pas. Il les traite de Zoil. Euh, comment Zoil C'est le nom d'un. C'est une antonomase euh, Une antonomase Vous voyez ce que c'est qu Un nom propre peut devenir un, un nom commun, comme Arpagon. Un Arpagon. Donc c'est un avare, un, On pourrait dire un Macron. C'est un, une sorte de parasite qui parle, qui se développe à l'intérieur des coffres forts. Voilà. Ou euh, un Bardella. C'est un antonomase d'un joli petit dessin décoratif qu'on peut mettre sur la crosse d'une arme entier émeute. Voilà. Donc voilà, ça c'est une antonomase. Et le zoïle c'est aussi une antonomase. Donc c'est un critique d'Homère, un critique tardif d'Homère, je crois que c'est un contemporain de Platon, qui est considéré comme un critique euh, comment, injuste. Et donc on, on, zoïle c'est devenu un terme générique pour parler des critiques envieux, euh, injustes, euh, voilà, acrimonieux, etc. Donc, Zoïle, les gentils filous, néophytes, bons apôtres du passé futur. La quasi-critique des médias qui m'intéresse est d'une autre nature. Elle est de nature poétique. Donc, on revient aux conditions, au potentiel créatif à l'intérieur de la discipline. Mad et Crumb dessinent des bandes pour en critiquer d'autres. Effectivement, là, comme je vous l'ai dit, les pages de Mad sont énormément constituées de critiques directes par la parodie des euh, contingences euh, économiques et industrielles qui produisent à l'appel des, euh, des bandes dessinées de genre euh, en comic book. Comme le surréalisme fait de la littérature pour tuer la littérature, comme Nietzsche à compromettre la philo est devenu la proie d'Emmanuel. Or, dans la poésie, la critique cesse de ronger. Quand elle avale et assimile, en devenant un peu autre, mais socialement si semblable, l'objet même qu'elle déteste. On ne détruit que ce qu'on remplace, d'accord Mais quand c'est remplacé, c'est du bon à détruire. À la prochaine. Alors, alors enfin, le désespoir. Mais on n'en est pas là. Ce luxe extrême ne nous est pas permis, ce luxe extrême, excusez-moi. D'où ces énormes, incessantes, polymorphes médiatisations entre l'insupportable simple, vie, mort, temps, monde, regard, autre, moi, et la complication indéfinie de l'histoire. D'où les médias, qui sous leur fonctionnement visible, signifient et cachent toujours le pire. Donc ça, on le relira la prochaine fois parce que c'est un peu complet et en plus on attaque visiblement autre chose, c'est plutôt le devenir. Donc restons plutôt sur la critique et les rapports de la critique à son cadre, qui sont des choses extrêmement complexes aussi. Donc on peut finir sur cette idée qui est une idée difficultueuse et qui revient à ce que je vous dis quand, quand je vous dis que l'art est conservateur de sa catégorie pour être révolutionnaire de sa définition. C'est-à-dire que la condition par laquelle l'art peut être révolutionnaire de sa définition, c'est précisément de conserver sa catégorie. Sans quoi, il n'aurait plus rien à critiquer du tout. C'est donc dans le maintien possible de l'objet de son conflit que l'art peut se redéfinir inlassablement. Et donc, en dehors de cette question, c'est-à-dire en dehors de l'art comme question, la discipline elle-même avec ses processus industriels de production a des possibilités d'une certaine manière d'approcher son autodestruction sans jamais la tenter. Donc quand les gens vous disent ah c'est beau ce livre c'est super mais c'est tellement bien c'est plus une bande dessinée ce sont des abrutis parce que effectivement c'est bien parce que telle bande dessinée est encore une bande dessinée qu'elle a le pouvoir d'être révolutionnaire des bandes dessinées. Et d'une certaine manière les bourgeois qui appellent roman graphique les bandes dessinées qu'ils sont incapables de lire en les appelant bandes dessinées ne font que ça. Ils ne font que contester aux bandes dessinées d'être encore des bandes dessinées parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée qu'une bande dessinée soit un geste révolutionnaire à l du cadre des bandes dessinées. Il leur faut inventer un autre passe-temps, un passe-temps puéril pour bourgeois, c'est celui du roman graphique, mais évidemment on les emmerde. Voilà, euh, Bon, on pourrait finir là-dessus, je pense que c'est une bonne conclusion, emmerder les bourgeois, après tout, je veux dire c'est quand même le passe-temps le plus excitant qui nous reste encore avant que les fascistes ne nous bouffent. Alors, les oïles, ça s'écrit Z-O-I-T-R-M-A-L-E-S. -E Est-ce que vous avez, pour finir ce live interminable de 3h30 quand même, 3h30 en théorie, c'est un peu trop. Il faut que je m'arrête à 3h. Je sais que c'est trop. Hein. Est-ce que vous avez des questions, les gens Est-ce qu'il y a des trucs qui euh, vous semblent peu clairs, qui mériteraient d'être comment. Euh, D'être un peu étendu, d'être euh... précisé. Hum, je vous ai parlé de Prince Valiant, je ne vous en ai même pas montré du Prince Valiant tout à l'heure. Bah pendant que vous me posez des questions, je peux vous montrer quelques images de Prince Valiant. Alors c'est où? C'est là. Alors. Ah Est-ce que. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que vous le voyez voilà, Prince Valiant? Je vais vous montrer ça. Ça vous a plu? Ah, tu supportes pas cette appellation? Ah oui, le roman graphique, non mais il y a de quoi ce. Il faut pilonner et pilonner sans cesse. Dès qu'on vous en parle, allez-y. Rentrez-leur dans le lart. Bon, voilà, ça c'est Prince Valiant. Alors dans le genre académique, Foster, ça se pose là. Bon, c'est pas nul, hein. C'est pas hideux, mais quand même, c'est compliqué. Hein. Moi j'ai du mal. Hein. On est, on est quand même dans une esthétique Bah pré-fascisante <laughs> C'est difficile de ne pas y penser. Enfin, quand vous regardez les authentiques BD fascistes publiés dans euh, le Téméraire, par exemple, bon, bah, euh, oui, vous avez tous les prémices, toute la déplorable histoire de la Bretagne en bande dessinée, par exemple, cette merde. Bon, vous notez d'ailleurs le côté extrêmement archaïsant euh, d'avoir euh, le texte hors image. Prince Valiant ne dérogera jamais à cet archaïsme fondamental qui devait apporter les garanties d'une espèce de littérarité, je suppose, une espèce de, de sérieux à la con. Pitié. Alors, est-ce que vous savez où on va raider les gens, puisque je vois que vous n'avez pas... Euh, que vous avez, euh, pas une adresse de raid Pardon, pas de, vous n'avez pas de questions Je, je pense à dire n'importe quoi, c'est bien la preuve qu'il faut que ça s'arrête. Alors, je vais raider, pardon. Hmm. maintenant, euh, je vois pas grand monde bah écoutez, vous allez m'engueuler, mais je vous envoie chez Diamond, ça fait longtemps, voilà peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, peut-être que vous allez gueuler, qu'il a encore invité des confus bah, Bichette est là Ah mais oui, je la vois, elle est en train de jouer Oh bah faut aller chez Bichette, c'est ça On fait ça Allez, je vous envoie chez Bichette Faites des bises de ma part à Bichette, soyez gentil avec elle comportez-vous bien, la faites pas chier encouragez-la dans son jeu, qui est probablement un jeu à la con, j'imagine et passez une bonne fin de soirée Alors, est-ce qu'il a marché ce raid A-t-il marché hmm Il est long, hein Allez, vas-y, cocotte